Liberté, égalité, fraternité, fertilité, fécondité. Chers amis, bonjour. Salut Marceau. Bonjour. Conrad. Salut. Bonjour Salut à, à toi. Bonjour, Hervé. Salut Hervé. Bonjour. Toujours avec nous. On a le plaisir ouais. de vous retrouver. Et on y est, on y est. Une fois de plus, on est où aujourd'hui On est à Elne, tout à côté de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, tout proche de la montagne. Oui, et on se fait un joli graine euh, de vacances, quasi, au soleil, déconfiné. Très cool, super bien accueilli. On boit des bons vins, on est logé dans un château magnifique, dans des chambres somptueuses. On mange très, très bien. C'est vraiment euh, parfait pour euh, retransmettre notre savoir. Arbre et paysage 66. fallait le faire, ils l'ont osé, ils l'ont fait. On est aux rencontres de l'agroécologie du bassin méditerranéen. On y est pour plusieurs jours, on est avec vous en direct, en différé, euh, la nuit, euh, enfin, sur YouTube. Quoi. Tout le temps, quand vous voulez, il n'y a pas d'heure. Du petit-déj au café, en passant par le dîner, euh, une insomnie, c'est un vers de terre, on s'y retrouve. Allez, c'est parti. Euh, pour une heure et demie, euh, autour, de, ben, autour de tous ces sujets qu'on affectionne particulièrement, on a le plaisir de, de vous retrouver. On va parler... Agroécologie et viticulture, Conrad. Oui, et ça va être une agroécologie à quatre voies avec euh, un groupe que vous avez commencé à connaître, notamment grâce à vers de Terre Production, qui se retrouvait il n'y a pas très longtemps à Châteauneuf-du-Pape. Oui, oui, c'est vrai, on s'est retrouvé à Châteauneuf-du-Pape au, au, au château du Vieux Télégraphe, qui nous avons accueillis pour. Euh... Euh, cinq jours d'agroécologie où on a pu euh, bah, construire des ateliers euh, et des, une conférence. Donc cette euh, conférence euh, agroécologie à quatre voies que, que l'on a réalisée avec Hervé, Conrad et Alain euh, et moi-même euh, autour de, de cette vision d'agroécologie. En fait, c'est euh, des discussions hein, qu'on a eues ensemble sur, autour de ces questions-là et, et, et s'apercevoir que nos visions de la viticulture, nos visions de l'agroécologie euh, s'interpénètrent. Se, se, Pourtant, on a des pratiques un peu euh, différentes et des regards un peu différents. Hein. Euh, moi, directement la plante, Conrad, euh, plutôt la fertilité des sols, Alain, euh, euh, l'agroforesterie, et puis euh, Hervé, qui a un regard un peu plus large, euh, ou alors un peu plus précis, euh, certaines fois, à la fois large et précis, peut-être un peu plus euh, global, un peu plus... Euh, avec un peu de recul, euh, ben, tous ces regards se recroisent, et on parle de la la même chose et donc on a eu envie de vous partager et de vous montrer que nos savoirs se recoupent se recoupent parce qu'en fait on a cette vision commune d'une écologie d'une agriculture autour de l'écologie nous, vous, eux, les autres, les uns, c'est aussi l'addition de, de, de toutes ces belles, toutes ces belles et bonnes pratiques, hein, de, de tous ces essais, parfois de ces petits échecs, mais euh, des résultats. Les résultats sont là et d'agréger ces résultats, euh, on n'oubliera jamais. Euh, il faudra jamais oublier de le dire, hein, boire un canon, c'est sauver un vigneron. Euh, Hervé, as-tu quelque chose d'important à nous dire <laughs> Ah ben oui, 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 parce que pour l'instant, je ne l'ai pas encore entendu. C'est que la vie est belle, la vie est merveilleuse et. En fait, la vie va nous guider pour avancer dans les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui, pour trouver des solutions et construire le monde de demain qu'on a dans le cœur et qu'on aimerait voir enfin émerger. Ok, très bien. Marceau, le, le vin est une fête. Ah oui, oui, le vin est une fête. Et d'ailleurs, c'est toujours fantastique de parcourir la France à la rencontre de, de ces gens talentueux qui essaient de, 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 de travailler du mieux qu'ils peuvent avec leur, leur âme, j'aurais tendance à, même à dire, leur, leur vigne pour nous produire ces fantastiques breuvages qui nous font rêver, qui nous, qui nous éduquent, qui nous, qui nous permettent de communiquer, de partager. Et. Euh, ben, on a toujours envie de, de, de progresser dans notre manière de transmettre ce que l'on a compris sur l'agriculture, de les accompagner, parce que c'est difficile. L'agriculture, c'est quelque chose de, de, de complexe. On est soumis à des éléments, on voit bien avec les périodes de gel, on voit les problématiques de commercialisation en ce moment. C'est vraiment très difficile d'être viticulteur aujourd'hui. Et, euh, et bien, on se dit que peut-être en améliorant notre rapport à, à cette viticulture, en améliorant notre compréhension du vivant, on va pouvoir modestement vous aider à passer un cap, à construire davantage de résilience. Et pourquoi pas, encore une fois, pour nous, améliorer encore vos produits qui sont déjà vraiment très agréables à consommer. Conrad, l'élevage, c'est sauver la planète. Euh, le sarment, le c'est pour cuire la côte à l'os et l'entrecôte. Le sarment, ça sert aussi à autre chose en viticulture ah ben, ça sert surtout à donner de la fertilité au sol, ça va combattre des... le cournouet, les nématodes, etc. Donc on se rend compte que le bois, c'est un élément essentiel de nos systèmes agricoles à venir. Ok, très bien. On va parler peut-être un petit peu des, des mots, Marceau. Tu nous, oui, on, va, bah, on va refaire sûr. le point sur les mots. Hein. Il y a quelques mots MAUX et vous le savez, ces, ces fameux mots de la viticulture. Donc, on, on les énonce, on, on les parcourt, on les, on les met on les met en perspective parce que parce qu'il y en a un petit peu partout. Mais justement, de les mettre à plat, ça peut peut-être nous permettre d'en de, sortir et d'en sortir haut et, et bien. So, oui, en fait, on a conscience que cette vision, ce nouveau paradigme qu'on essaie d'apporter sur la viticulture, tant en termes de couverture permanente des sols, de réintégrer l'arbre, de changer la manière de regarder la plante, de changer les modes de conduite, les modes de taille, c'est assez complexe. Euh, on est dans une agriculture aujourd'hui euh, qui est prise au piège qui est prise au piège d'un cadre de référence où on doit euh, se conformer à, à des codes à des systèmes bah, à des cépages à des techniques de conduite à des, à des labels et en, en fait on, on est un petit peu coincé malgré nous dans un système que l'on a cherché à faire vertueux et euh, bah, pour sortir de ce de ce paradigme-là qui nous, qui nous coince, on est obligé d'ouvrir de, de, notre manière de faire. Et ce, ce, ce petit schéma sur le cadre de, fait, de référence nous montre que pour sortir de ce cadre de référence, on est obligé, certaines fois, d'emprunter des chemins nouveaux. Vous euh, voyez, par exemple, là, on doit, euh, sur ce petit schéma, faire en quatre traits, euh, euh, passer par tous, les, par tous les points. Et donc, passer par tous les points en quatre traits, ce n'est pas possible euh, si on ne sort pas du schéma de référence. Et là, cette idée-là et ce regard-là nous montrent qu'en en, s'asseyant sur un autre fauteuil que celui d'habitude, en regardant la science, en regardant euh, l'environnement, en s'asseyant avec un autre prisme, euh, on s'aperçoit qu'on peut peut-être arriver à changer euh, notre rapport à, à l'agriculture. Et c'est ce qu'on va essayer de vous proposer aujourd'hui, en, en, en essayant de partir d'un du, de, de, constat, d'un constat euh, qui nous semble un peu, un peu dur hein, avec, euh, euh, avec une agriculture qui, bah, qui, qui, qui nous montre plein de, 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 de mots, en fait, de, de problématiques. Quoi, hein. Euh, tu peux nous en dire plus sur ces 28 mots, parce que tu n'arrêtes pas dans les formations de nous dire, il y a 28 mots, 28 mots dans, le, dans la viticulture. Quels sont ces 28 mots, euh, euh, Alain Je ne sais pas, vous allez, vous allez m'aider, mais 28, euh, tout le monde en a 17. Quelle que soit la viticulture que l'on pratique, et bon, c'est nos, nos analyses, nos indicateurs de résultats et, et, et la récurrence et le fait d'être en permanence. Je sais pas, on pourrait parler de, de tassement, on pourrait parler de compaction, on pourrait parler d'hydromorphie, on pourrait parler de mortalité, on pourrait parler de dépérissement, on pourrait parler d'esca, on pourrait parler de mildiou, on pourrait parler d'oligium, on pourrait parler de baisse de fertilité, de rendement. On peut parler aussi des chocs climatiques. Tu as cité le, le gel à juste titre, mais une ville peut geler, une vigne pardon peut geler, elle peut brûler aussi, elle peut souffrir de, 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 de beaucoup de choses. Donc de, de l'importance, de la taille que, que, que tu nous montres des attaques, des agresseurs, des ravageurs. Et, et c'est vrai que dans cette spirale, dans cette spirale infernale, on a un petit peu de mal à s'en extraire, à s'en sortir. Et puis on voit, on voit, n'est-ce pas Conrad, que, que certains passent des caps. Oui, parce qu'en en fait, on se rend compte que la tradition voulait qu'à chaque problème, on amène une solution. Et donc, on a tous saucissonné une solution contre le mildiou, une solution contre l'esca, une solution contre l'oïdium, une solution contre les mauvaises herbes, etc. etc. Et en fait, ce système-là ne marche pas très bien, puisqu'on se rend compte que même les mauvaises herbes vont résister aux solutions qu'on leur amène. Euh, elles résistent au travail du sol, elles reviennent tout le temps, ou elles résistent au désherbant, elles reviennent quand même tout le temps. Pareil pour le milieu, il est toujours là, on n'a rien gagné finalement à travailler comme ça. Donc l'idée, c'est peut-être de changer ce regard-là et de dire et si on avait une approche, on va dire, globale, un regard un petit peu plus élargi sur notre système en disant que toutes, tous les problèmes sont peut-être liés à un défaut de regard Donc ça veut dire qu'on est obligé de sortir de notre cadre de référence. Oui, en fait, euh, c'est vrai. Ça me fait penser à chaque fois le, le, à, au fait qu'on n'est pas encore sorti de la crise phylloxérique, en fait. On se pense sorti de la crise phylloxérique, mais en fait, on n'a pas résolu du tout le problème. En fait, on n'a que compensé avec des, des, des mesures. Et aujourd'hui, cette génétique figée nous, nous amène à, à continuer à cultiver euh, la vigne avec euh, bah, des solutions qui, qui, qui érodent, qui posent des, des, des problèmes considérables et qui, euh, et qui induisent des problématiques et des maladies. Bon, derrière, en fait… Euh, on voit quand même quelques viticulteurs qui essayent, qui tentent des choses, qui, qui tentent de, de changer justement leur regard, leur vision, avec des premiers résultats qui semblent encourageants, qui semblent... Nous fait, à les, des... les pionniers, ils ont basculé, on va dire, il y a 15 ans à peu près. J'avais fait une enquête en 2013 qui montrait qu'on avait déjà en France un réseau d'agriculteurs qui commençait à sortir de la photo de, de gauche et aller vers les pratiques de droite. Et là, curieusement, quand on a végétalisé les sols, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses chez ces vignerons, c'est-à-dire globalement une très grosse amélioration de l'ensemble de nos maux qu'on trouvait dans la vigne. Et ça, c'est assez surprenant, parce qu'en grande culture, on avait les mêmes raisonnements, avec les mêmes résultats. C'est-à-dire, plus on végétalise, mieux ça fonctionne. Et ça, c'était la grande claque qu'on a prise à l'époque. C'est-à-dire que visiblement, il y avait peut-être un projet unique, c'est-à-dire autour du végétal, qu'il fallait réintégrer dans nos systèmes de production toujours différents. Donc une vraie difficulté ou une vraie chance, puisque c'est toujours pareil. Oui, alors souvent on utilise la mécanisation pour essayer de, de pallier à ces problématiques-là de sol, de, de fait de, de ne pas sous-traiter aux plantes le travail du sol. On voit ben là, on, on a fait cette petite, ce petit montage là avec euh, euh, soit une plante, soit du métal pour travailler le sol. Et on voit que ben, il y a plein de gens qui essayent de faire des couverts et qui essayent de maintenant de travailler leur sol avec les plantes. Et puis, euh, eh bien, certaines fois, on loupe les couverts, on n'y arrive pas. Et en plein milieu du couvert, on a euh, cette euh, grande oseille fantastique là qui vient et qui fait le travail, euh, le même travail que l'outil. Il a la même forme d'ailleurs que l'outil. C'est assez étonnant. Quoi. Alors quand on dit du métal au végétal, c'est est-ce euh, qu'on peut euh, voilà, imaginer euh, ce changement de paradigme en essayant de faire confiance aux plantes pour faire le travail pour lequel elles sont. Euh, euh, construite. Est-ce qu'on peut, peut demander à Hervé de savoir, parce que je ne jamais posé la question, Hervé, il aime bien les, les questions surprenantes. Quand on a, quand on a de l'oseille comme ça, on est riche <laughs> oh là là. Mais en fait, il euh, y a des plantes pour tout. Hein, et souvent, le sol va faire émerger un certain nombre de plantes qui vont euh, intervenir précisément là où le sol en a besoin. Donc, c'est cette idée de bio-indication, c'est de comprendre ce que les plantes nous disent, d'apprendre à observer, à comprendre ce que la nature est en train de nous dire pour savoir comment agir et adapter nos façons d'être au monde, nos façons de cultiver nos sols, de cultiver nos plantes, de les, de les adapter à ce que le milieu exprime. Alors, cette idée d'agroécologie, ce regard-là. Un peu peut-être plus général, qui essaie de, de connecter les pratiques, de connecter les, les regards, de connecter les prises de conscience. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Conrad? C'est quoi l'agroécologie? Alors l'agroécologie elle a pris pied, on va dire officiellement, avec un ministre de l'agriculture qui était Stéphane Le Foll, qui en a fait un axe majeur de l'agriculture. Alors, ça patine, tout le monde s'est réapproprié l'agroécologie, et puis euh, en fait, on n'a pas donné de définition exacte de ça. Et quand on décortique le mot agro et écologie, en fait, on a deux termes qui arrivent euh, l'agro, euh, donc, euh, c'est le champ. Hein. Donc on va s'occuper des parcelles agricoles et l'écologie, c'est la maison. Donc le champ est une maison qu'il va falloir faire fonctionner et performer. Et donc l'idée de l'agroécologie, c'est vraiment ça. Les agriculteurs doivent faire fonctionner un écosystème dans lequel cette maison, ce champ maison, doit fonctionner parfaitement. Et donc, c'est intéressant parce que ça nous donne des focus sur une douzaine de points qu'on a un petit peu résumé. Donc, ça, c'était le pictogramme qu'a fait l'association ici, Arbre et Paysages 66, pour la, les rencontres de Helne. Et donc, on se rend compte que c'est super bien fait. Donc, on peut le reprendre et vous pouvez vous l'approprier en toute liberté. Ça sert à ça. Et donc, on a des... On prend la situation du jour chez un agriculteur comme point de départ. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir là-dessus, et petit à petit, on va progresser. On s'inspire de la nature. On produit de la biomasse qui va produire de la biodiversité, qui produit la fertilité du sol. Et à un moment donné, l'agriculteur, il va être, on va dire, le grand manager de ce système-là. Il va être en harmonie entre le climat, la plante, le sol, et lui, grand ordonnateur de cet équilibre qu'il va essayer de rechercher. Et puis, on continue. C'est un modèle de cycle autonome et permanent, la nature. On va stopper les perturbations de cet écosystème. On va essayer de le booster, de l'améliorer. Et puis, on va optimiser tous les cycles géochimiques ou géobiochimiques, etc., la physique du sol et compagnie c'est un système qui est en démarche et adaptation continue donc c'est super donc en fait c'est jamais figé, donc toujours formateur. donc on peut s'éclater là- dedans toute sa vie, il n'y a aucun problème parce qu'on peut visualiser tout un tas de solutions nouvelles et puis c'est des agriculteurs qui sont au centre de la démarche, c'est que c'est peut-être un sujet que la société comprend mal, c'est-à-dire que l'agriculture, on a un petit peu spolié les agriculteurs de l'agriculture qu'ils doivent faire. Et finalement, on pense qu'à la fin, on aura un trio gagnant-gagnant, c'est-à-dire l'agriculteur, le consommateur et la société. Alors, okay. si, on, si on continue là-dessus, alors Hervé, tu seras peut-être d'accord avec moi, la situation initiale, que peu importe le type d'agriculture, on est quasi en difficulté tout le temps. Oui, tout à fait. On est dans un schéma assez, assez catastrophique dans une grande partie de l'Europe, des USA, enfin dans tous les endroits où il y a une forme d'agriculture traditionnelle, enfin conventionnelle, comme on dit aujourd'hui. Qui va vers une désertification des sols, une perte tout à fait énorme. À gauche, on voit toutes ces taches blanches dans le paysage qui sont des endroits où le sol est tellement érodé que la roche-mère est apparente, que les sols n'ont plus de structure. Et vous voyez, donc là, en bas, là, on voit ces coquelicots qui apparaissent, ces coquelicots qui sont des indicateurs d'une désertification des milieux en termes de bioindication. Donc voilà, c'est important de, de bien prendre acte de ces choses-là. Et puis de prendre acte aussi que euh, ces milieux, ces déserts sont capables de redevenir des endroits d'une grande fertilité, d'une grande fécondité, hein, euh, au travers des différents axes qu'on va commencer à développer. Alors, une des, une des plantes qu'on a essayé de garder, de mettre en valeur, c'est... Euh, la plante qu'aucun vigneron adore, un érigéron, ça, ça nous perturbe énormément. Ça fait du très mauvais vin si ça rentre dans la chaîne de vendange. Et en fait, l'érigiron, c'est une plante bioindicatrice qui nous dit que finalement le sol est asphyxié avec un statut hydrique fluctuant, donc trop humide ou trop sec. Il est soumis à la fossilisation de la matière organique, donc en fait, pas d'humification. Et c'est des sols qui se compactent avec production de nitrites qui sont toxiques pour les plantes. Et donc la plante, elle vient réparer tout ça. Et donc, euh, à lutter contre, euh, on a un défaut de gestion et de compréhension, puisqu'on va accélérer tous les effets négatifs qui l'ont introduite. Ça voudrait dire que si, si on devait lutter contre les rigérons, euh, euh, il faudrait faire autre chose que de simplement le, le désherber, le couper Oui, il faudrait théoriquement le favoriser pour qu'il répare le sol en une seule année. Et donc euh, les rigérons seraient un très bon couvert végétal qui, euh, au bout d'un an ou deux, disparaîtrait tout seul parce qu'il aurait fini la remise en état du sol. Donc là, tu pars du principe euh, de, que développe Gérard Ducerf des plantes bioindicatrices avec euh, oui. euh, ce, ce fantastique fascicule ou ce fantastique travail qu'il a fait avec tous ses oui. bouquins, qui nous dit que les, 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 les plantes ne germent pas par hasard. C'est ça. C'est plus que fantastique, c'est quasi génial comme idée euh, parce que quand on les observe dans l'écosystème, Hervé, tu vois la même chose que nous. C'est systématiquement bon, c'est-à-dire on peut faire un diagnostic de l'état du sol avec uniquement un regard sur les plantes. Donc je ne sais pas Hervé, toi tu, tu pratiques ça aussi qu'est-ce que tu remarques là-dedans Parce que ce serait intéressant. Voilà, mais de, de, de plus en plus, hein, ce que je trouve aussi passionnant, c'est qu'on a donc, euh, ce que l'exemple tout à l'heure montrait, c'est qu'on a des clés de lecture qui nous donnent des, des, indirex, des, des directions que, que l'on peut prendre. Donc alors bien sûr, ça demande un petit peu de, de technicité, de savoir-faire, d'apprendre à reconnaître les plantes, apprendre à reconnaître les plantes, à reconnaître le milieu dans lequel nous, nous vivons, et tous ces éléments en fait sont, sont des éléments qui nous permettent aussi de mieux nous connecter à, à, à la nature, de mieux, de mieux. C'est en observant ce que les plantes nous disent qu'on va apprendre, et plus on va développer en nous cette capacité à observer la nature, à observer nos parcelles, mieux on arrivera à avancer dans ces voies agroécologiques. En quelque part, ce serait en regardant quelles sont dans la nature les successions de plantes qui se font les unes derrière les autres qu'on pourrait apprendre à à construire et à accompagner la succession des plantes dans nos systèmes agricoles. Quoi, en fait. Donc, euh, faire en sorte de, non pas forcément de se, contact, de se contenter de l'érigeron ou de cultiver l'érigeron pour refaire la matière organique, mais de se dire, l'érigeron, il est précurseur d'une autre plante qui, elle, va peut-être moins me gêner, que je vais peut-être pouvoir utiliser pour retaper le sol, pour que l'érigeron, cette fois-ci, n'ait pas besoin de germer. C'est à peu près ça. C'est-à-dire, on pense qu'on a des copines à l'érigeron qu'on peut cultiver avec beaucoup moins d'embêtements. Et donc, une fois qu'on est dans ce raisonnement-là, on pourrait trouver toutes les plantes qui vont nous corriger rapidement le problème qu'elles nous signalent. C'est-à-dire que c'est jamais la graine le problème en fait. Des graines d'érigerons, il y en a dans quasiment tous les sols, et des... elles germent pas forcément en fait. Théoriquement, un sol agricole, il, il héberge des milliards de graines. Donc, il y en a une quantité infinie. C'est quand on les a toutes perdues que le désert arrive. Donc on ne doit pas lutter contre, on doit favoriser quelque part leur émergence. Parce que c'est ça le, le projet de la vie. Mais on, cite, on cite Gérard. Gérard a une grande phrase parmi d'autres, parce qu'il en a beaucoup de grandes phrases. Dire que l'érosion, l'inondation sont les prémices de la désertification. Et c'est vrai que 60 ans de chimie, des millénaires de métal, il y a toujours de plus en plus de plantes qui, a priori, nous envahissent, Hervé. Oui, mais dans, dans la force du des savoirs que l'on a aujourd'hui et notamment de, de, de la démarche de Conrad, c'est que on a la connaissance de, 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 du coup d'après. On voit une plante, on voit qu'elle est en train de faire quelque chose et on commence à comprendre ce qui va se passer et à anticiper l'évolution que tout le système va prendre. Et ça, d'avoir cette connaissance-là, ça nous permet d'anticiper, de mieux comprendre et d'anticiper surtout cette anticipation qui va euh, permettre de mieux accompagner le mouvement qui est en train de s'exprimer dans nos parcelles. Alors, dans, dans ce débat autour de l'agroécologie, on s'est doté d'un modèle quand même. Et on se rend compte que la plante, elle nous donne un modèle quasi universel. C'est-à-dire, partout sur la Terre, peu importe la plante qui va pousser, qui va s'adapter à son pédoclimat, elle va faire la même chose. C'est-à-dire, elle va produire de la biomasse qui va être utilisable par des mangeurs de plantes dont je fais partie. Et puis, tous les déchets des mangeurs et de la plante vont être recyclés par l'activité biologique du sol. Et donc, le modèle de durabilité, il est donné par la plante qui existe sur la Terre depuis, allez, 300 millions d'années sous ce format-là, mais 500 millions d'années à l'aise. Et donc, c'est quelque chose qui est d'une révolution phénoménale, puisque avec rien, hein, 0,04% de CO2 dans l'air. Donc, il n'y a pas de ressources carbonées dans l'atmosphère, mais toute la photosynthèse est possible et toute la biodiversité carbonée de la Terre est produite avec ça. Et donc, c'est un modèle qui est génial, durable, incompris. Hein, et donc, il y a une ignorance crasse sur les cycles de la biologie. Et ça, c'est une grosse, grosse surprise. Alors, on en a fait avec le projet de vers de terre production et notamment maraîchage sur sol vivant. la première fois qu'on a nourri le sol avec de la paille, du carbone, eh bien les plantes elles se sont mises à pousser toutes seules et la terre est devenue fertile. Et la grande surprise c'est que le sol il mange des feuilles mortes, de la paille, des racines mortes, du bois. et quand vous le nourrissez, eh bien vous allez avoir finalement une litière, qui euh, nourrit des vers de terre, des champignons, qui vont produire l'humus. Cet humus minéralise avec des bactéries, libère les éléments euh, minéraux du sol, dont l'azote, qui a été capté dans la litière avec des azotobactères, et la plante pousse mieux. En gros, plus je nourris, plus je produis. On apprenait ça un peu euh, en, en biologie au collège. Hein la base de la chaîne trophique, la plante est la base de la chaîne trophique, mais on ne l'entendait pas, pas à ce niveau-là, on ne se rendait pas compte à quel point on avait besoin de la plante pour stimuler le système. C'est ça, j'ai appris ça à l'école sans jamais me rendre compte que c'était aussi vital et important que ça, parce que les mots sont trop complexes à un moment donné pour l'éducation. Vous devez apprendre simplement et complexifier après, et non pas complexifier avant de démarrer. Et ça, c'est la grande erreur du système éducatif, c'est-à-dire on met des mots compliqués partout alors qu'il suffit de le dire simplement. Et ça, c'est le, le gros, gros message, en fait, à vers de terre-production. On a travaillé ça, c'est-à-dire la simplification du langage qui permet la compréhension. Et donc, ce qu'on montre par un simple schéma, c'est que c'est l'outil. Le métal, le problème numéro un de l'agriculture, parce qu'il va tout détruire tout le temps. Il détruit notre maison que l'agroécologie veut construire, hein, bien avant tout le reste finalement. Hein, donc c'est sur le métal qu'il faut réfléchir. On parle, on parle d'une agriculture de la prévention et, et non pas de la, de la réparation. Peut-être reviens rapidement sur l'idée de, de convergence. On voit aujourd'hui dans les formations, on est bio, on est en biodynamie, on est HVE, on est en VITI quelque chose, on est en conventionnel. Enfin, On est tous là finalement, on est tous là et tout le monde commence à, à venir converger vers, vers cet objectif de la fertilité. Tout à fait. Ce qu'on voit, c'est qu'on a fait tomber les chapelles. C'est-à-dire qu'il est évident que pour faire de la biodynamie, je dois avoir la, la dynamique de la biologie et la biologie, elle ne peut que se développer dans une maison en bon état avec de la nourriture. Et ça commence là. Et c'est le bas Et donc ce bas il est temps que les agriculteurs le reprennent parce que c'est facile à faire pour eux. Il suffit de faire le toit de la maison avec une plante qui, en même temps, fera les fondations avec ses racines et etc. Et la maison va se va s'auto-construire toute seule grâce à la biodiversité qui va s'y développer. C'est quand même génial, ça se fait tout seul et c'est gratuit bientôt. Il suffit de faire pousser les plantes et de les gérer. Donc ça ouvre un champ extraordinaire. Donc quand tu dis là, sur cette diapo détruire le sol, c'est détruire la maison-sol, en fait. Qui... Oui. Et c'est ça qui pollue, en fait. Mais qu'est-ce qui pollue, en fait, dans cette destruction alors euh, en fait on se rend compte qu'il va y avoir euh, en fait on est face à deux grands concepts d'agriculture d'un côté euh, on a une agriculture qui avec les plantes produit de l'humus c'est une agriculture d'humification l'agroécologie, la maison en bon état, de la biodiversité partout, on va produire de la biodiversité, on va produire euh, du climat, de l'eau propre, parce que ça va passer dans le filtre écologique du sol. Et de l'autre côté, on a une agriculture de minéralisation, en fait, on est à la mine du carbone. Et donc, l'outil qui va détruire la maison, il va la passe, on la passe dans un turbomixeur, tout simplement mais hein, euh, Mettez quelque chose de structuré, de carboné dans un thermomix, il reste de la bouillie. Et là, vous versez de l'eau, tout coule dans l'évier. En fait, on aura de l'érosion, du lessivage, et cet humus, en présence d'oxygène, va être complètement brûlé par l'oxygène jusqu'à provoquer des nitrates qui fuient ou des nitrites ou du CO2. Hein? Carbone, azote, plus oxygène, ça fait carbone plus oxygène égal CO2. Et puis, Azote plus oxygène égale nitrite ou nitrate s'il y a beaucoup d'oxygène. Et on veut lutter contre la pollution en, continu, en continuant à détruire les maisons. C'est juste impossible. La, la couverture de, de survie, on l'a assez dit. Hein. Sol nu, sol foutu, sol couvert, sol, sol prospère. C'est quoi, euh, Hervé, euh, l'art d'apprivoiser le soleil Ça veut dire quoi cette phrase-là Partout où elle le peut, la terre se recouvre de biomasse, de végétaux. Hein. Et donc tous ces végétaux vont avoir pour grande fonction, bien évidemment, de capter le soleil. En captant le soleil, ils vont en même temps climatiser hein, le, le secteur où ça se passe. Et, et partout où cette biomasse peut, elle va aussi appeler un arbre. Voilà. Et donc euh, commencer à monter, en, à s'étager, à, à monter à, vers la troisième dimension, à prendre de la hauteur, à aller de plus en plus vers la lumière. Et quand on arrive à passer à ce stade justement où les arbres arrivent, la quantité de, de gaz carbonique, euh, la quantité d'énergie qui va être captée, la quantité de gaz carbonique qui va se transformer en, en sucre, en bois, en lignine, en cellulose, va, va augmenter de façon tout à fait prodigieuse. Finalement, nos, nos, nos arbres, nos plantes, nos vignes sont des cristallisations de gaz, de gaz carbonique et de vapeur d'eau, hein, de l'eau qui tombe par la pluie. Donc cet art de capter le soleil, de cultiver la pluie aussi, mais hein, d'apprivoiser le soleil pour pouvoir euh, avoir euh, cette fameuse fertilité. Effectivement, la plante produit de la, de, de la biomasse, mais c'est en mourant, mourant qu'elle va restituer une petite partie sous forme de minéralité, mais une grande partie sous forme d'humus. Et l'humus, c'est quoi C'est de la vie. C'est le début d'une chaîne alimentaire excessivement complexe où toutes sortes de micro-organismes vont se nourrir. Se, se investir le sol, créer de la résilience, créer de la porosité, créer du, des stocks de carbone. Mais ces stocks de carbone, ce sont des stocks vivants. Et c'est ça qui est important. La vie amène de plus en plus de vie. Et c'est cet élan-là que l'on se propose d'explorer. De, hein. Et donc là, là, on a des choses extraordinaires avec des couverts, avec des... Des, 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 comment, des, sorgots, des sorgots papetiers qui font 5 mètres d'eau avec euh, des endroits où on a des semis de céréales dans lesquels on ne voit pas, pas la moindre trace de, de terre, tellement que la matière organique s'accumule dans une épaisse litière. Voilà, tout ça, c'est l'énergie de la terre, mais c'est la terre qui porte la vie, donc c'est aussi l'énergie de la vie. Toute cette matière organique qui meurt, tout ce qui se décompose, tout ce qui meurt, comme un cadeau que la vie offre à la vie qui vient. Alors l'idée de, de tout ça, c'est de, de devenir, en tant qu'agriculteur ou euh, développeur avec les agriculteurs, des managers du CO2. Euh, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même trop de CO2 dans l'air vu la pollution qu'engendre le système sociétal, l'urbanisation, l'artificialisation permanente des systèmes, la mine récurrente. Et donc ce, cet excès de CO2, on va le manager. Et donc on va le manager en le captant avec le seul capteur rentable pour l'humanité qui est quasi gratuit, qui est une plante. C'est-à-dire c'est Sauvons la planète avec les plantes, point. Il va falloir végétaliser tous les sols. Le gros projet, c'est végétaliser le Sahara. Ça, ce serait un gros projet. Et donc, ce, quand vous managez du, C, du CO2, vous faites de la photosynthèse, et donc il y a des ordres de bataille. Euh, euh, je capte de la biomasse, du CO2 pour de la biomasse, et je vais la manager, un, pour la maison du sol. C'est-à-dire qu'on se rend compte que quand on va développer la fertilité, le recyclage du sol, on va régler le problème environnemental, général, la qualité de l'eau. Et la deuxième partie de cette biomasse produite, c'est pour de l'alimentation humaine ou animale, parce qu'on ne mange pas tous de l'herbe. Donc il y aura de toute façon des animaux, et les animaux ne polluent pas dans le cycle de la nature. C'est une erreur crasse de vision du monde. Et finalement, il nous en restera, on fera des biomatériaux, de la bioénergie et du cracking du végétal pour faire de la chimie verte. Et ça, c'est l'ordre de bataille que tous les agriculteurs doivent envoyer. On ne peut pas faire de l'énergie renouvelable si on n'a pas réglé le problème de la fertilité du sol auparavant. Et là, on voit toutes les erreurs qui vont se commettre dans le développement de l'agriculture. Alors. Qui commente cette photo Moi, moi j'ai fait la photo déjà, donc ah, euh, je vous laisse, ça, voilà. je vous laisse <laughs> commenter. Je l'ai faite <laughs> en Catalogne et, et je l'ai faite avec un agriculteur qui disait, qui, qui m'a d'ailleurs appelé en me disant "Mais Alain, les couverts sont trop grands." Je dis "Mais ça tombe bien, les couverts sont trop grands." Qu'est-ce qu qu'on peut dire de ce découpage, Conrad Je me dit « j'allais découper la matière pour montrer au combien elle était précieuse cette, cette matière première et élémentaire. Donc là on est dans une serre, donc. Euh, qui... Non non, est, on est contre la serre, hein, mais ah ça oui, a été produit vrai. à l'extérieur, hein, pour que les choses soient bien claires. Okay. La serre m'a permis d'appuyer. <laughs> donc euh, on a cultivé un couvert végétal qui est une moutarde qui est capable de faire, en fait, d'être une plante géante en trois mois. Et en trois mois, ben, on a découpé la plante et on se rend compte que. Euh, eh bien, euh, sous les yeux, on a tous les morceaux de cette plante-là, c'est-à-dire la fleur qui va donner de la graine, où il y a déjà de la graine en formation, un paquet de feuilles, les racines, les tiges, et en fait, on a du carbone partout, et, et donc, euh, et on peut le décliner euh, dans différentes formes et dans différents usages. Et donc, on voit bien que la plante, elle va nous donner énormément de solutions. Ça a été théorisé, c'est le biomimétisme hein, qui, euh, donc, ça a été théorisé il y a à peu près une trentaine d'années. Et donc, la Société, elle doit s'accaparer ces raisonnements-là, ces exemples-là. Euh, il ne s'agit pas de faire un engrais vert minable qui est aussi haut que la cheville, non, une plante géante. Et on voit bien que les plantes, elles nous le disent quand on les laisse pousser. Ça me fait penser que Carlos qui se reconnaîtra, euh, c'est trop grand, ça tombe bien. On ne peut même plus dire que la moutarde nous montonnait, parce que même si Carlos mesure 1m90, <laughs> là on est au-delà, n'est-ce pas Marceau ah oui, oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe dans, dans tous les systèmes où on laisse la nature s'installer au bout d'un moment. Elle vire, euh, toute, euh, tous les systèmes virent vers la forêt, et la forêt, on n'a pas besoin de la cultiver. Et elle agrade le système jusqu'à aller jusqu'au au bout de, de, de son système et en fait on a de, de, des arbres toujours de plus en plus grands euh, même dans les endroits où curieusement on n'aurait euh, euh, pas forcément euh, la sensation d'avoir beaucoup de fertilité en fait mmh. de l'eau euh, du gaz carbonique euh, une graine et c'est parti mon kiki mmh. et ça c'est quand même assez extraordinaire de voir que euh, bah, les arbres les plus euh, les plus hauts les plus dynamiques de la planète sont pas forcément sur les sols les plus fertiles et, euh, et souvent ce que ça me dit moi là, c'est que on se trompe de regard. On, on, on regarde tout le temps euh, la fertilité du sol pour cultiver les plantes, alors qu'on doit regarder la capacité des plantes à construire la fertilité du sol. En fait, c'est là où le paradigme, je trouve, euh, doit changer sur notre regard. C'est exactement ça. Et quand on a une plante géante comme cette moutarde-là, on se dit, tiens, on pourrait en donner pour le sol. On pourrait encore en utiliser une partie pour manger, encore une partie peut-être pour faire des biomatériaux de l'énergie. En fait, cette plante, si on la découpe comme ça sur, sur la feuille ou là par terre, on se dit, bah tiens, il y en a pour tout le monde. Et donc c'est la clé de compréhension. Bon appétit. Vous le voyez bien, je l'ai posé sur le sol nu du voisin. Donc vous voyez le type de sol dans lequel... Dans lequel... Alors qui mange ces plantes quoi Hervé voulait <laughs> intervenir. Le Alors, menu voilà, le menu de la, la moutarde, ça... ça lui plaît Hervé. Hein, c'est euh, ce menu. Il est beau le menu. Euh, ça... Je trouvais ça tellement beau que la moutarde, qui a une graine si minuscule, si petite, soit capable de donner une plante aussi grande, dont certains ont même vu quelquefois des oiseaux nichés niché dans, dans, dans les couverts. Il faut dire que c'est juste prodigieux. Hein. Et donc, qui mange des plantes, si les oiseaux commencent à y arriver, ça veut dire qu'il euh, y a plein de petites bestioles qui mangent la moutarde, qui vont être mangées par les oiseaux, qu'il y a tout un écosystème qui se met en place, toute une résidence qui se met en place. Mais au moment où notre couvert va tomber, s'être écrasé, va être couché sur le sol, eh il va servir de nourriture à toute une faune extraordinaire. Donc là, on voit les vers de terre, les, les limaces, bien évidemment, les amis des limaces, hein, toutes formes d'escargots, toutes formes de petites bestioles qui vont manger cette nourriture-là, qui va commencer à s'humifier. Hein, et donc les vers de terre sont réputés pour être les grands ingénieurs du sol, donc ils ont cette capacité à transformer toute cette euh, biomasse en humus, mais également en porosité, en galerie, en une maison euh, tout à fait prodigieuse dans laquelle euh, les cavités, la profondeur vont permettre de transformer ces sols euh, en, en augmentant non seulement leur... Euh, capacité de rétention des éléments minéraux, mais également de l'eau. Donc, euh, vont permettre aussi d'avoir une, euh, une meilleure résistance aux accoups du climat. Alors, j'avais une question pour Hervé moi. Comment tu expliques que nos ingénieurs du sol, les vers de terre, soient si mal traités Parce que euh, je vais te faire un petit parallèle. Que diraient les ingénieurs d'Airbus si à la sortie de la chaîne de production, on passait leurs avions dans un broyeur en disant, c'est super, vous avez super bien travaillé, ça volera mieux demain. <laughs> voilà, mais, je, je, là, j'aimerais bien que Marcel Boucher soit à mes côtés parce qu'il euh, tiendrait une espèce de plaidoyer euh, pour les vers de terre. C'est incompréhensible que les vers de terre aient été aussi peu étudiés, aussi peu aimés, aussi peu admirés pendant autant de temps, alors que ce sont eux qui sont à la base de. De cette, de cette de toute, toute l'édification des sols donc aujourd'hui par contre de plus en plus de gens sont sensibles aux vers de terre et regarde et c'est merveille de voir ces turricules apparaître je rappelle que dans un sol vivant on devrait avoir l'équivalent de deux steaks hachés de vers de terre oui en taille deux steaks hachés de vers de terre par mètre carré Tant qu'il n'y a pas ça dans un sol on ne peut pas considérer qu'il soit complètement vivant moi j'ai un petit test qui est rigolo comme ça à faire, euh, à faire euh, pendant la fête de la bière, puisqu'en fait elle va peut-être avoir lieu cette année. Euh, je vous encourage, euh, entre deux bières, puisqu'il faut aller uriner au bout d'un moment, bon, le plus tard possible, parce qu'une fois qu'on a commencé, on n'arrête pas. Mais je vous encourage à faire le test d'aller uriner sur une turicule de verre de terre, et puis juste à côté sur une motte de terre. Et en fait vous allez vous apercevoir que même pendant toute la fête de la bière, malgré les 20 litres d'urine que vous allez larguer sur la turicule de verre de terre, elle va rester parfaitement stable. Et ça, c'est quand même extrêmement nourrissant comme test. Je vous encourage à faire ce test-là. Vous changez complètement d'avis sur les vers de terre après la fête de la bière. Oui, ça veut dire qu'il nous colle le sol en fabriquant cette satanée ou super-columique qui fait la stabilité structurelle du sol. Bon, bah alors euh, on va pouvoir euh... après, après la fête de la bière, on va revenir un peu dans les vignes, même si les, les deux plantes <laughs> ont la même origine. Hein, la ripicide on y reviendra tout ça à l'heure, n'est-ce pas, je crois, Monsieur euh... Bourdarias Oui, oui, non, mais ça marche pareil avec, je pense que tout, toutes les toutes les urines en fait. Mais ça marche pareil avec l'eau de pluie en fait. C'est ça qui est surtout euh, intéressant à voir, hein, d'éviter toutes ces, ces érosions quoi. Alors, du coup, on est dans l'idée que l'agriculteur va être au centre du débat et que ça va être lui le gros manager. Et donc, euh euh, si on n'aide pas les agriculteurs à progresser plus vite et euh, à comprendre et à mettre en œuvre ces systèmes-là, on aura sans doute raté la phase du développement de l'agroécologie. En fait, c'est génial parce que c'est un tout nouveau métier, en fait. Ben Manager oui. de la fertilité, quoi. C'est ça. Manager de la vie, en fait. C'est C'est-à-dire qu'on a tout d'un coup une place en tant qu'humain de, 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 de stimulation. Oui. Alors qu'on nous rabâche à longueur d'année qu'on est en train de tout détruire, que l'humain, c'est la pire des choses qui peut arriver sur la planète, en fait, on nous dit là, Là, tout d'un coup en fait oui tu as la possibilité de reconstruire et de même de stimuler de produire de produire pour toi de produire pour les autres simplement en cultivant des plantes en stimulant la possibilité de cultiver des plantes oui, ou, ou, la règle, moi, ou la règle ou la règle excusez-moi mais où la règle n'est peut-être plus le, le cahier des charges, mais le cahier des propositions. Pardon Hervé, tu avais forcément quelque oui, chose de… Juste pour rebondir sur cette idée de cultiver la vie, euh, regardez, tous les gamins aiment la vie, tous les gamins aiment les animaux, les insectes, les oiseaux. Quand vous expliquez à un gamin qu'il peut faire un métier qui s'appelle être agriculteur, où tu vas développer de plus en plus de, de vie, mais quel est le gamin qui voudrait pas faire ça Quel agriculteur ne serait pas heureux de, de transmettre aussi cette merveilleuse, cette merveilleuse philosophie, à ses enfants pour s'inscrire dans quelque chose de nouveau qui nous redonne envie, qui nous refait croire à un métier dans lequel euh, en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir et, et toute la société attend, n'attend que ça d'ailleurs, attend à, à ce qu'une espèce de nouvel équilibre, de nouvelle direction soit donnée à notre façon d'agir avec la terre. Hervé, il faut que je te fasse une confidence, j'ai jamais osé te le dire, mais quand j'étais jeune, enfin. C'est toujours le cas. Mais j'ai essayé de faire fumer des grenouilles. Mais mais, mais aussi, c'est juste pour dire qu'il y en avait partout. quoi. Comme les vers de terre, il y en avait il y en avait beaucoup. Bon, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Hein. Mais, mais ça veut dire qu'il y en avait beaucoup, beaucoup. Pardon, Marceau, oui. Non, 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 pardon, rien du tout. Je, je m'aperçois que le temps passe et que du coup, on passe beaucoup de temps là-dessus et on a un planning à tenir, un temps à tenir. Donc, euh, ben, bien sûr, euh, là, ce qu'on dit, c'est vraiment essentiel. Et moi, j'ai beaucoup d'émotions quand j'entends Hervé euh, nous raconter qu'on peut guérir la Terre. Et donc, ça, ça vient me nourrir complètement à l'intérieur. Et, et je me dis on a la chance d'être des enfants euh, et de pouvoir euh, nourrir la Terre. Euh, donc de la plante intrue à la plante intrance c'est encore un, euh, quelque chose pour Conrad, c'est-à-dire que tout d'un coup on se met à cultiver, à travailler avec, quoi. travailler avec les processus du vivant en fait. On raconte encore la même chose. Hein. Oui, en fait on s'était rendu compte dans le programme agro, à mesurer, en fait on a projeté sur un plan le modèle de la nature. La nature elle est toujours couverte et jamais travaillée, ça pousse tout seul. Et donc, finalement, on pouvait aussi euh, identifier toutes les pratiques agricoles dans ce raisonnement-là. Donc, vous projetez ça sur un plan. Et donc, sur la ligne droite, vous avez extrêmement perturbé ou pas du tout. Et puis, en vertical, on met beaucoup de végétaux ou pas du tout. Et donc, euh, on, peut, on peut mettre toutes les agricultures, tous les agriculteurs, tout le résultat des pratiques agricoles dans ce petit schéma-là. Et on se rend compte que, dans les systèmes qu'on désertifie grâce à nos outils, le métal qui détruit tout, on perd au moins 300 kg de carbone par hectare et par an. Et quand on s'échappe de ça et qu'on met du végétal partout, de plus en plus découvert, des, des cultures avec des intercultures, des doubles cultures, des plantes campagne et de l'agroforesterie, eh dans les systèmes non performés, c'est-à-dire ce que font les agriculteurs avec ce qu'ils savent faire, avec peu d'aide au final, on avait déjà un stockage de 600 kg de carbone par hectare et par an. Ça, c'est de la performance. C'est très performant. C'est une tonne de carbone d'écart entre quelque chose qui n'est pas mis en performance de développement. C'est-à-dire, ces agriculteurs-là, on ne les a même pas aidés pour faire ça. Et donc, à un moment donné, si la société voulait bien s'y mettre et aider leurs paysans à faire ça, eh bien, on pourrait stocker plus d'une tonne de carbone par hectare et par an. Et donc, on, a, et on voit tout de suite qu'on a un vrai impact sur le changement de paradigme, mais la climatisation, l'eau propre, tout va sortir de ces sols couverts. Donc euh, voilà, la biodiversité arrive tout de suite, euh, le stockage de l'eau, la gestion de l'eau. C'était quoi le slogan de, enfin, ou la, la, le, le triptyque du programme Agro C'était les 3F Les 3F ou les 3P, je ne sais plus Non, c'était 3F à l'époque, freiner, ah. filtrer. Fixé. Et fixé. Et fixé. Oui, Donc, parce que on les confond, ces on... triptyques. C'était oui, ça. ça on, ouais. on était sur l'eau. On était on sur, sur l'eau. Ouais. Oui, mais sur l'agroécologie, on est bien sûr produire, protéger et prévenir. On est aussi dans un triptyque gagnant, dans cette démarche qui t'a beaucoup inspiré, qui inspire beaucoup les agriculteurs qui ont mis à disposition leur savoir-faire, cette démarche dite de progrès. C'est toujours un peu mieux. Et ça, c'est intéressant de dire que c'est toujours un peu mieux. Donc j'y vais. J'ai pas une limite en me disant, ah, je vais m'arrêter là parce que j'ai atteint, j'ai mis un peu de biodiversité au bord de ma Parcelle, je vais continuer à travailler, à, à, à mettre en œuvre et à produire. Parce que euh, ça aussi, tu nous l'as dit quand on était à l'école, hein, la, la biodiversité, ça se produit ou ça se détruit, mais ça se protège pas. Oh là Grand moment de solitude, Marceau. Ouais, oui, toujours quand on regarde d'avion. Euh... Moi, à chaque fois que je prends l'avion, j'ai des chocs. Des chocs violents. Sur. Euh... Ma planète euh, vue d'en haut et sur l'impact de, de mes pratiques sur, euh, sur ce système vivant. Que ce soit de loin ou de, ou de très près, mais encore plus de loin. Et le fait de pouvoir prendre du recul, bah oui, ça. C'est-à-dire que si tu prends l'avion et que tu traverses un désert, c'est un problème. Si tu prends l'avion, tu traverses une zone avec des plantes partout, des sols couverts en permanence et, 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 et un rayonnement solaire qui passe par huit étages de végétation, c'est moins grave. Oui, très probablement. Je ne sais pas si ça a des rapports directement avec l'avion, mais bon, bah reste que quand même, il y a quand même quelques arbres, quelques arbres et quelques, quelques sages qui nous structurent et qui nous, et qui nous nourrissent. Hervé, eh oui. tu nous as, ouais. tu m'as fait descendre de l'arbre, Hervé, en quelque part. <laughs> Moi qui étais arboriste, aujourd'hui je m'occupe des agriculteurs. Tu dois pas y être pour euh, rien, hein, de mettre sur cette image. Tu es encore un peu perché, mais eh, je suis encore perché. <rire> <rire> mais on se demande lequel des deux est le plus perché, d'ailleurs. <laughs> <laughs> perché sur et, ses racines. Et ces arbres et, et les vieux arbres en particulier sont, sont des, des témoignages importants parce que un arbre vit en lien, vit en relation avec son environnement et garde une espèce de mémoire de toutes les relations qu'il a eues avec tous les êtres qui l'ont entouré, avec les autres plantes, avec les micro-organismes du sol, avec la diversité des insectes qu'il peut y avoir dans un écosystème, puisque cet arbre peut aussi servir de gîte et de couvert à la totalité des petites bestioles qui sont dans des milieux. On a pu observer que plus un arbre est vieux, plus il contient... De micro-organismes, plus il contient d'insectes, les bêtes qui le mangent, mais aussi tous les auxiliaires. Et les auxiliaires de ce vieux chêne sont également des auxiliaires de notre vigne. Voilà, donc, c'est à partir de cette vie, effectivement, si la vie, la biodiversité se cultive, elle se développe à partir des lieux dans lesquels il y a beaucoup de vie. Hein. Et donc, euh, une grande partie de notre réflexion va être de réfléchir aux façons de mettre en lien ces vieux arbres, ces ripissifs, ces zones humides, tous ces lieux dans lesquels il y a beaucoup de vie, les mettre en relation avec nos systèmes de culture pour que la vie puisse se, se diffuser, se répandre, se propager et arriver à venir réguler la plupart des problèmes que nous rencontrons. Donc ah, on, a, une on est étude. en Méditerranée là, ouais. On est en Méditerranée ouais. euh, à Elne et, euh, et on voit euh, bah, en Espagne, on voit même euh, en Méditerranée le, le, le désert qui qui progresse ou, ou les plantes qui, qui reculent hein, sous l'effet sous de la chaleur, de la sécheresse répétée. Et on voit que même la vigne souffre alors que c'est une plante qui est capable de, de, de résister à beaucoup de choses cette vigne là. Et donc, euh, c est, c est cet environnement symbiotique et, 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 ce, et, ce, et ce lien aux conditions arides, euh, j'aime bien quand tu nous parles de ça, Hervé. Oui, parce qu'en fait, c'est une étude qui a été faite par l'Université d'Alicante et, et qui, 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 en fait, est intéressante parce qu'elle montre ce qui est en train de se passer chez nous et qui va s'amplifier chez nous avec le réchauffement climatique. C'est euh, une étude qui, qui montre comment on, on passe d'un écosystème fertile forestier à, euh, une, à un désert. Hein. On, on, avec trois grandes phases de disruption, on va dire que d'une forêt à un désert on passe d'abord par la disparition d'une partie du, du, du déclin de la forêt donc disparition des de, parties des arbres et de la strate arbustive qui va se traduire par une diminution de, des champignons du sol en fait et à partir d'un certain moment la strate arborée va complètement disparaître et va avoir pour conséquence d'augmenter cet albédo. L'albédo, c'est la réflexion du sol. C'est-à-dire que quand le soleil vient taper le sol, normalement il est absorbé par le végétal, mais là, comme il n'y a plus suffisamment de végétaux pour l'absorber, une partie du rayon et repart dans l'atmosphère, ce qui fait que le, les rayons de soleil passent deux fois dans l'atmosphère et chauffent beaucoup plus le sol. Et cette augmentation de l'albédo, c'est la disparition, est liée à la disparition de la strate arborée. Et quand la strate arbustive finit de disparaître, là on va avoir... Une diminution importante de la quantité de carbone et de la quantité d'azote qui est présente dans les sols, on va avoir une diminution, voire une disparition d'un certain nombre de champignons mycorhiziens, de champignons symbiotiques du sol, et une augmentation de plus en plus importante de la, la, la flore pathogène du sol. Et ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est qu'elle nous montre la réversibilité du système. C'est-à-dire que quand on part d'une vigne à droite, une vigne où il n'y a que de la vigne de planter dans un sol désertique, la première des phases, ça va être de reconstituer la strate herbacée, hein, en suivant ce que les plantes bioindicatrices nous disent, et en suivant aussi les conseils de Corade, hein, parce que c'est des choses qui sont très liées. Et ensuite, ensuite, une fois que cette herbacée arrive, elle va commencer à faire émerger des plantes vivaces, de plus en plus ligneuses. Et ces plantes vivaces et ligneuses vont commencer à faire vivre une diversité de champignons mycorhiziens dans le sol, une diversité de trames fongiques qui vont commencer à faire disparaître les problèmes pathologiques liés à la pathologie du sol. Et ensuite, quand la strate arborée arrive dans la vigne ou au pourtour de la vigne, là va commencer à, se, à apparaître toutes les histoires de résilience et des histoires de climatisation de la vigne, Voilà, pour arriver à quelque chose de plus en plus arboré. Alors bien sûr, notre vie on ne veut pas que ce soit une forêt, quoique ne pourrait-on pas imaginer des systèmes viticoles dans lesquels il y ait beaucoup d'arbres une des conséquences importantes de ça, c'est la température du sol, vous voyez, entre un sol couvert, un sol nu, le même jour à la même heure, 36,1 degrés, dans le couvert végétal qui a été couché, hein, donc euh, 26,2 degrés, 10 degrés de moins rien que dans le couvert végétal. Et dans le petit bosquet à, pro à, à proximité des arbres... 21,2 de degrés. Vous voyez, on, on gagne encore 5 degrés. C'est-à-dire que quand on a des températures de 40 degrés à l'extérieur, le fait d'avoir un couvert végétal et d'avoir des arbres à proximité va permettre de faire diminuer de l'ordre de 15, quelquefois même plus de degrés, de l'ordre de 15 degrés. Hein. Mais même le, 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 la température ambiante du milieu vous voyez que là, les, les, nos, nos vignes, nos raisins, les histoires de problèmes de, de, de maturité qui peut arriver entre différentes formes de maturité qu'on aimerait avoir dans nos raisins, de maturité alcoolique, malique, et, et puis de, toutes les, de tous les, les polyphénols, tous les tanins qui vont arriver, ben les maturités auront le temps d'aboutir, d'arriver en même temps pour continuer à faire de très bons vins derrière. L'importance de la climatisation dans nos vignes n'est pas à, à, à sous-évaluer. Voilà. On ne le, le dira jamais assez, cette, ces histoires de climat. C'est ces, ces principes principe de, de microclimat. Et, et vous avez cité cette politique du mètre carré. J'en ai une nouvelle finalement, Hervé. Avec do docteur Conrad, on n'est jamais en rade. <laughs> J'adore. <laughs> ah voilà, voilà. Alors, ça, ça, les deux grands éléments euh, importants. Oui, cette plante, cette feuille de vigne, qui, qui a ce phénomène de gutation. Et, alors, ça peut se provoquer par la pluie, on pourrait croire, mais là, vous voyez, c'est des petites gouttes qui n'arrivent qu'à l'extrémité de, des petites dents de la vigne. Et ça, c'est de l'eau que la plante excrète dans son environnement. À hein, des moments où l'évaporation n'est pas suffisante, elle continue à, à faire sortir de l'eau. Et c'est notamment toute l'eau que la plante produit. Par la photosynthèse, le processus de photosynthèse aboutit à de la formation d'eau. Et lorsque la plante n'a pas besoin de transpirer du tout, il faut que cette eau s'écoule, soit dans la sève élaborée et quand il y en a trop, elle s'écoule extérieurement par ces phénomènes de guttation. Et ça, cette eau qui va tomber sur le sol, c'est une génération. Ça, ça génère de l'eau, hein ça crée de l'eau. Et puis cette feuille, quand elle tombe au sol, vous voyez, elle se retrouve comme ici dans cette cabane de vers de terre. C'est un vers de terre qui s'amusait à rassembler autour de lui toutes ses feuilles pour avoir son garde-manger à proximité. Et, et, et surtout que lorsque le merle va passer à côté, qu'il ne le voit pas, qu'il ne se fasse pas manger par le merle. C'est aussi l'endroit en dessous duquel il va faire ses turicules pour élever ses petits. Et, et donc ces, 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 ces vers de terre vont... Euh, à rapporter amener stocker maintenir euh, toutes ces feuilles les, les relier entre elles pour les manger les ingérer et faire euh, faire que cet humus filtre la terre voyez et donc cette plante vivante apporte de l'eau et morte épure épure l'eau pour que ôte toutes les pollutions qu'il peut y avoir à l'intérieur. La vie est belle, mais absolument merveilleuse, et c'est la conjonction de tout ça, des plantes, des vers de terre, du sol, du soleil et de la pluie, qui fait que les, les, les vignes vont être heureuses. La vigne, pour être heureuse, comme toutes les plantes, les vignes sont des êtres sociaux, des êtres sociaux, ça veut dire qu'ils ont l'habitude de vivre ensemble. Et donc là, nous avons fait une petite étude sur 181 stations où on a vu de la vigne sauvage, dont beaucoup, vous voyez, dans le pourtour méditerranéen, mais un, un, un petit peu ailleurs. Et on a essayé de regarder quelles étaient les plantes qui étaient systématiquement ou très couramment associées à la vigne. C'est ce qu'on appelle un syntaxo et donc une espèce de guilde aussi, on peut dire, de plantes qui ont l'habitude de vivre ensemble. Alors elles sont de pleine nature, hein, vous voyez donc, rubus, il y a de la ronce, oui. Le meilleur pote, la meilleure copine de la vigne, c'est la ronce. C'est du cordouiller sanguin, c'est de l'aubépine, c'est de la clématiste, c'est du lierre, du prunelier, de l'orme, de la... De la, de, la, euh, comment, de la garance voyageuse, euh, encore de la ronce, et puis de l'égustrum, c'est ce, le troène. Et toutes ces plantes ont l'habitude de vivre ensemble. Et alors là, on, on les voit bien illustrées. Vous voyez, cette ronce, ce cornouiller, cette aubépine, cette clématite vont avoir des liens ensemble, des liens mycorhiziens, on va le voir tout à l'heure mais également des liens fonctionnels. Vous voyez sur le troène qui est là. Le troène va être pollinisé par toute une série d'insectes qui vont... Euh et donc, ces insectes plutôt euh, euh, de sous-bois vont être attirés, justement, toutes sortes d'auxiliaires qui vont voir se nourrir des petits, des petits pollinisateurs de, de, du troène. Hein. Et, et, et donc, ça va attirer dans ma vigne, si j'ai un, un troène à proximité, ça va attirer toutes sortes d'insectes. Le lierre, de la même façon, mais notre lierre qui est en hiver porte des fleurs, nourrit toute une série d'insectes pollinisateurs. Hein. Les cireux, notamment les, 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 qui, les formes adultes des cireux ou des chrysops sont souvent pollinisatrices, mais leurs larves vont être de redoutables euh, carnassiers, mangeurs de pucerons, de psiles, euh, de toutes sortes de bestioles hein, qui pourraient euh, ravager nos vignes hein, et, et donc euh, contribuer à leur euh, régulation. donc De la même façon, on a fait de grandes listes de plantes qui sont écologiquement similaires. Des frênes, des peupliers, des brionnes, des olmes, des clématites, euh, du de, 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 de noyer, de l'iris, des pruniers, toutes sortes de, de pruneliers, de pruniers, de pommiers, de il y a de cormiers, euh, tous les érables, dans les plantes pionnières, euh, les, 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 les peupliers, les, 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 les saules. Voilà, Un, une grande grande liste de plantes qui ont pour euh, particularité de vivre là où la vigne aime vivre. ne pas dire qu'il faut mettre toutes ces plantes-là dans notre vigne, à l'intérieur, mais sur le tour. Pourquoi ne pas en laisser ou à l'intérieur, pourquoi ne pas essayer de diversifier les relations, les plantes, donc, et les arbres, les arbustes, et augmenter le nombre de relations que la vigne pourra avoir avec son environnement pour justement arriver à ce que cette fameuse résilience puisse apparaître. Et vous voyez que nos vignes naissent dans les ripisylves, au bord des cours d'eau. C'est là le milieu originel de la vigne. Et c'est justement comment est-ce qu'on a fait pour qu'une plante qui vit quasiment les pieds dans l'eau puisse se retrouver sur quasiment toutes les planètes dans des zones quelquefois excessivement désertiques. C'est justement les taillants en les taillant, en les bonsaïfiant, comme disent certains. Et ce même élan, quand on laisse pousser des arbres, et on voit là chez, chez, chez Franz wein la façon dont toutes sortes d'arbres ont été introduits, qu'il a introduits dans son vignoble, et on voit sur la droite là avec ses frênes qui commencent à pousser spontanément, l'idée c'est de les trogner, de les couper, de les rabattre, de façon à ce qu'ils soient présents, qu'ils apportent la fonction qu'ils peuvent apporter dans la vigne, tout en laissant la vigne se déployer, se développer. Et nous, en tant que gardiens de ces équilibres, notre rôle va être de laisser pousser certaines plantes, mais les tailler pour que notre écosystème reste un écosystème viticole. Et voilà. Donc la, 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 les les la... pieds à l'ombre et la tête au soleil. Et la tête au soleil, et la tête au soleil. Ouais, donc les... Je viens de voir la voilà, le rhizophagus. Mais peut-être que Marceau voudra rajouter quelques quelques idées là-dessus. Oh non non, non. Bah en fait c'était juste pour dire aussi oui, euh, la tête au soleil mais aussi les pieds à l'ombre. et quand euh, ça, ça faisait un lien avec justement ce, ce fameux rhizophagus et, et ces champignons là endomycoriziens qui ont beaucoup de choses à nous apprendre sur la manière dont euh, la plante récupère cette énergie lumineuse pour aller euh, créer des symbioses et stimuler la, la vie dans le sol. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Moi j'ai rhizophagus... bien fait de venir, hein, Hervé, j'ai bien fait de venir parce que la dernière fois qu'on s'est vu, moi j'en étais resté au risotto, mais là du coup on passe, <laughs> on passe encore une étape. Soit pas extraordinaire et culinaire. Sois patient, je suis patient. Euh, Soit Rhizophagus, rhizophagus c'est vraiment le grand pote de la vigne. C'est un champignon mycorhizien, assez fréquent qui est très présent sur presque toutes les rosacées. Hein, dès qu'on a euh, des, euh, un prunelier quelque part, dès qu'on a aussi des, des, euh, des potentis hein, qui envahissent quelquefois certains vignobles, et, et qu'on a aussi de la vigne, c'est des champignons qu'elles ont en commun, ces plantes-là. Ils ont l'habitude, elles savent vivre ensemble. Et, et donc, euh, ce champignon endomycorhizien, voyez, on voit une racine et à l'intérieur, toute la partie qui est colorée en, en bleu ou en, en vert, c'est le champignon. Et on voit que ce champignon pénètre à l'intérieur de la racine, où il va échanger un grand nombre de nutriments, et puis de l'eau également, hein, avec la vigne, qui en échange va lui apporter. Euh, de, 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 de la nourriture, de la sève élaborée, hein, donc les sucres qu'elle produit, va lui apporter aussi toute une série de tanins euh, et de, de polyphénols de, de, que 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 le rhizophagus va directement charger au cœur des vacuoles dans les cellules des plantes et va aussi servir de, de stockage pour le champignon de toutes ses réserves lipidiques. Donc de ses réserves les plus précieuses. Le champignon est tellement pote avec la vigne qu'il va stocker ses réserves les plus précieuses dans les racines de la vigne. Les lipides. Enfin, elles sont très liées, et, et ce stockage à l'intérieur, de, de cette existence à l'intérieur de la racine de vigne, va donner au rhizophagus une grande capacité à s'adapter aux... Excès de canicule, aux, aux, aux pauvretés, aux aridités du sol. Voilà, et ce rhizophagus, alors ça, là, ce n'est pas un rhizophagus, mais c'est un autre champignon qui illustre en fait la façon dont il fonctionne dans le sol. Et vous voyez qu'autour du mycélium des champignons, donc ces petits filaments qui peuvent représenter des millions de kilomètres dans chacune de nos parcelles, on a pu calculer que c'était quelquefois, plusieurs fois la distance de la Terre à la Lune qu'il y a dans une parcelle de vigne, hein, de mycélium, et autour de ce mycélium, il y a une hydratation le champignon s'hydrate et donc se retrouve entouré d'une pellicule d'eau que l'on voit apparaître dans laquelle circulent et sont présents déjà les micro-organismes qui vont l'aider à digérer la matière organique du sol. Hein, euh, donc toutes ces bactéries qui sont à l'intérieur et, et que en plus ces bactéries vont circuler dans ces petits réseaux hydrographiques que le champignon crée dans le sol. Ils vont circuler, mais quelquefois à des vitesses prodigieuses. Vous voyez, quand on a des micro-organismes spécifiques du vieil arbre, parce qu'un beau bon jour dans son existence, il y a un champignon particulier qui a vécu là, ce champignon savait décomposer, je ne sais pas trop, quelle matière organique très spécifique, et qu'un besoin apparaît à l'autre bout de mon vignoble, et bien les spores de ce champignon, les bactéries associées vont pouvoir... Circuler sur ce réseau à la distance de 2 mètres à l'heure, 50 mètres par jour. Ça veut dire qu'on pourrait et presque. se rediffuser dans toutes les parcelles. Excuse-moi, excuse Hervé, mais on, on, on pourrait presque parler de migration dans le sol. En fait, c'est comme une espèce de migration à l'échelle du sol. Donc, peut-être avec. Euh, oui, quelque chose qui nous paraît lent pour une migration ou avec des distances peu, peu importantes, mais c'est-à-dire euh, que dans le vivant, il y a des phénomènes de migration. Euh, et de prendre conscience que le sol est quelque chose de mouvant, en mouvement en permanence. Et du coup, Alors là, cette diapo est excessivement intéressante, quoiqu'un petit peu théorique, mais elle nous montre la façon dont les trames mycorhiziennes se répartissent sur Terre. Les trames mycorhiziennes endomycorhiziennes, celles de la vigne, c'est les trames bleues, celles qu'on voit sous les tropiques. Euh, et chez nous, en Europe et dans le Nord, on a une trame qui est. La rouge, cette trame rouge, c'est des champignons ectomycorhiziens. C'est à peu près des champignons de tous nos écosystèmes forestiers. Et il se trouve qu'il y a une espèce d'incompatibilité entre ces deux écosystèmes. Ce C'est pas les mêmes arbres, c'est pas les mêmes plantes qui les trouvent. Et en Europe, curieusement, les trames forestières sont exclusivement rouges, ectomycorhiziennes. Alors que quand on regarde ce qui se passe en Asie, et surtout ce qui se passe en Amérique, on voit qu'il y a une espèce de gradient. Et ce qui apparaît dans cette trame jaune qu'on voit apparaître en Asie et aux Amériques, cette trame jaune, c'est une trame de champignons où il y a 50-50-50% de l'un et 50% de l'autre. Et ces trames-là sont adaptées au réchauffement climatique. Et si chez nous, si ces trames ne sont pas arrivées jusque chez nous, c'est pour plusieurs raisons. Déjà qu'il y a, depuis la dernière glaciation, depuis 12 000 ans, il y a le Sahara qui a permis, qui a empêché un certain nombre de plantes de migrer jusque chez nous. Mais ce qui est aussi de très important en Europe, c'est qu'on a dissocié le monde forestier du monde agricole. On les a dissociés, donc exclus, éloignés les uns des autres. Ils n'ont pas suffisamment co-évolué ensemble, ce qui fait qu'aujourd'hui, Bien sûr, les arbres, souvent, apparaissent comme des concurrents dans nos cultures, hein, quand on en met. Et, dramatiquement, nos forêts sont aussi en train de disparaître parce que ces champignons ectomycoriziens ne sont pas adaptés au réchauffement climatique, alors que les champignons endomycoriziens, comme ceux de la vigne, sont adaptés au réchauffement climatique. Et chaque fois qu'on voit nos forêts disparaître, c'est qu'en fait, elles n'ont pas les bonnes trames de champignons pour vivre. Et tout l'enjeu, aujourd'hui et d'arriver à recréer ces nouvelles trames de champignons endo- et ectomycorhizia. Et il se trouve que la vigne est un des éléments qui va nous permettre de réconcilier ces deux univers entre eux. Les vignes, mais pour qu'elles réconcilie tout ça, il faut qu'il y ait des arbres. Voilà. Des arbres hein, donc, euh, qui vont engager un cercle vertueux dans, dans, dans nos écosystèmes un cercle nutritionnel, un cercle de recyclage, de mycorhizes, de biodiversité, de confort du travail. Hein. Tailler des vignes quand il fait chaud ou quand, y a de, de, quand tout est, est, est climatisé, c'est quand même plus agréable. De sol vivant, une productivité, car il est bien sûr indispensable, et c'est le premier élément qui va être celui de la pérennité de nos écosystèmes qu'on est en train de concevoir, c'est qu'il y ait une productivité mais qui, assez curieusement, va être sûrement beaucoup plus importante que celle qu'on a aujourd'hui, parce que la notion de productivité, aujourd'hui, on va l'élargir à tous les avantages écosystémiques que nos écosystèmes vont aussi apporter dans nos milieux. Donc de la durabilité, de la protection des ressources, les abeilles et les pollinisateurs, donc cette biodiversité que nous allons... Cultiver et apprendre à cultiver, et qui va construire les paysages de demain dans une ressource invisible et infinie de vie. Voilà. Et le cycle de cette vie qui va ressurgir en mort, mycorhize, recyclage, et ainsi de suite. Voilà. La vie est quelque chose d'extraordinaire, la vie est belle. Et vous voyez, souvent, on a l'impression que on est en train de détruire la planète. On se qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la planète? Mais non, vous voyez, c'est tout le contraire. C'est la planète, c'est la vie qui vient à notre aide. Et finalement, c'est la vie qui va nous sauver. Tu nous as coupé le couvert végétal sous les pieds. Avec, on avait tous les trois prévus de parler de productivité. Là, L'air de la Corrèze te réussit toujours, toujours aussi bien, <laughs> Hervé. Hein. En tout cas, on le dira jamais assez. Cette viticulture en agroécologie, au service du climat, de l'eau, du sol, de la productivité des paysans, des vignerons et des viticulteurs qui, qui y travaillent, ça reste du sport. On l'écrira comme on voudra. Hein, ça reste <laughs> du sport. Après le risotto aux champignons, euh, on est quand même dans du sport parce que ça bouge dans tous les sens, quand même. Disons-le. Ah ben les voilà les ingrédients. Les voilà oui, les hein. ingrédients de la recette agroforestière. C'est fantastique dessin là de David Délas. Ouais, ouais, dis donc. On les aura utilisés, on les a usés ceux-là. Ouais. Hein ben, ils sont toujours là et on lui en a commandé d'autres du coup. C'est les éléments. Alors ces éléments-là euh, sous bon. forme d'arbres de, de diverses formes, de diverses tailles, de diverses conduites. C'est les outils en fait, euh, des outils d'agroécologie en fait, tu nous dis. Ouais, c'est une boîte à outils. On n'a pas encore trouvé de recette, on n'en trouvera peut-être pas. Mais par contre, on a les ingrédients. On a les ingrédients pour faire un gâteau, un gâteau fondant au chocolat euh, qu'on va apprécier et pouvoir partager. Et, et, et on les positionne comme ça. Ben oui. Le péché de vigne, citons-en un parmi d'autres qu'on connaît bien et, et dont, dont on connaît les, les, les saveurs et les compatibilités. Et puis c'est vrai que cet arbre, cet arbre tétard, cette trogne chère à Dominique Mention, qu'on citera jamais assez, on retrouvera ses différentes publications. Alors il est haut, il est bas. Euh, c'est l'importance de l'intervention, de, 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 de la culturation, de la compréhension des symbioses humaines. C'est cet nouveau. arbre paysan. C'est pas nouveau ça, les arbres dans les vignes, tous mmh. les anciens disaient. On avait plein mmh. de pêchés. Non, c'est pas nouveau, c'est le futur. Pori, les poiriers, les mmh. poiriers, ouais, c'est. Et en fait, ce n'est pas un retour en arrière, c'est un, un retour vers l'avant, en fait. C'est un bond en avant. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, c'est important hein, de, de, traduire, de traduire ces mots, de traduire ces idées reçues, ces difficultés qu'on a pu avoir parfois en disant que vous êtes les gestionnaires, vous êtes euh, les, les, les accompagnateurs, ce sont vos arbres. Et, et mettons, on aime, on aime à mettre l'arbre comme outil de production dans cette chaîne de, 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 de production élémentaire, justement, en, en vigne. Vous avez... Dans votre chaîne, vous avez un maillon, un maillon qui est l'arbre, la connexion à son environnement, et puis et puis le dernier, le dernier, celui qui va nous faire euh, du bois d'œuvre. On peut, je sais pas, on pourrait citer euh, le cormier. Il y a un joli livre qui est sorti sur le cormier, hein, Sorbus domestica. On pourrait citer la lisière terminale et, et puis d'autres encore. En tout cas, on voit bien que dans, dans, chacun de ces, dans chacune de ces formes-là, dans ces formes -là, il y a bien une intervention à un moment donné parce qu'on parce qu sait très bien, et tu nous l'as tellement dit, répété et enseigné, qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de lumière qui tombe sur la vrille et, oui. et sur le beaujon. Donc, on, on va passer notre temps à faire ça et ça, ça devient intéressant, cette gestion fine. Tout ce temps qu'on ne passe pas à travailler les sols. Hein. On pourrait le mettre à planter des arbres, et les entretenir et les mettre au service de la production, ou à les laisser pousser. On l'a vu chez Franz tout à l'heure, et tu l'as à juste titre nommé Hervé. Dire cette régénération naturelle assistée, euh, oui, elle, est, est elle, elle est magnifique. Elle est d'une abondance incroyable. C'est vrai qu'étonnamment, euh, on, on pense toujours à la concurrence entre l'arbre et la vigne et, et à la problématique que ça, fe, ça peut poser. Avec euh, pour preuve les vignes qui sont le long de mailles et de chaînes qui sont euh, extrêmement faibles. Et, et donc ça, c'est un regard que qu'on bah, qu 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 s'évertue à, à essayer de déconstruire. En fait, il hein, ouais, mais... y, y a forcément une, une, un fonctionnement de concurrence parce qu'il n'y a pas à manger pour tout le monde parce qu'on a ça. tellement dégradé les sols et puis et puis les feuilles. Enfin, c'est ni un milieu pour la vigne. Ni un milieu pour les arbres. Donc, en fait, on a, on a quelque chose qui est complètement dégradé. Mais la, con, la concurrence plutôt de la vigne avec l'arbre ou de l'arbre avec la vigne doit être euh, euh, vue comme quelque chose de logique. quoi La vigne est une liane. Hein, elle a directement coévoluer avec les arbres et elle sait tout à fait, fait s'adapter à vivre avec les arbres elle en est même, elle en est même contente d'ailleurs la plupart des, des vignes qui sur les, les friches arrivent à, à s'accrocher aux arbres sont les vignes qui, qui arrivent à vivre alors que les vignes qui sont perdues au milieu de la parcelle au milieu du désert finissent toutes par mourir les unes derrière les autres. Donc ça, ça nous dit simplement que cette, ce regard de, 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 de concurrence, on doit le faire évoluer, on doit faire évoluer nos, nos systèmes pratiques. Et moi, c'est on en parlera tout à l'heure, mais je m'évertue à, à vous expliquer ce que c'est cette vigne et comment on pourrait euh, euh, faire en sorte de continuer à à garder cette productivité tout en cultivant avec les arbres, accueillir donc la productivité mais à tous les étages, la productivité de la vigne, de la matière organique, la productivité de l'accueil, de la biodiversité, la productivité qui est liée aussi à, à, la, à, la, à la minoration des pertes euh, simplement parce que ben bah, on a des, une faune protectrice, on a euh, des chauves-souris qui viennent qui mangent le démis, la cochilis, euh on a des araignées qui, euh, qui consomment euh, les drosophiles suzuki, en fait il y a tout un arsenal de choses qui fait que plus on partage, plus on récolte en fait. Ouais. En fait, euh, j'ai refait une expérience qu'on avait fait lors du programme agro. On avait fait une fête paille et ripaille. Donc, on avait déroulé du foin dans un vignoble en déshérence qui patinait, qui produisait pas bien. L'année d'après, il produit comme s'il s'était jamais rien passé. J'ai refait cette expérience là dans, dans le Médoc et. Euh, Curieusement, au bord de la bordure d'arbre où la vigne souffre, etc., si vous mettez le paillage carboné au sol, tout de suite, la vigne redémarre d'un hein, seul homme. Il n'y a pas de problème. Elle produit comme s'il n'y avait pas de concurrence. Donc le, le toit, la couverture, le carbone, c'est d'une importance capitale dans nos systèmes cultivés. De toute façon, disons-le, disons euh, il est hors de question que les rendements baissent. Dans, dans, ces, dans ces pratiques agroécologiques, disons-le, au contraire, les stabiliser, les augmenter, je serais tenté de dire on aime trop le bon vin pour s'autoriser une connerie pareille il y a oui, de question un... que ça que c'est vrai que ces histoires de rendement c'est toujours euh, on les voit euh, on les voit au coup par coup mais c'est pas au coup par coup qu'il faut voir les choses c'est-à-dire que certaines fois il faut être prêt à, à partager un peu pour ramasser de manière plus régulière donc en fait c'est c'est pas si simple que une histoire de rendement bête et brute en fait souvent le rendement on dit le rendement le rendement mais en fait on, un rendement ça se décrète pas en fait si vous décrétez le rendement de votre vin si vous vous dites cette année je fais 80 cette année je fais 90 ou cette année je fais 30 ça veut dire que en fait, vous, vous pensez que c'est vous qui me maintenez, qui construisez la fertilité simplement avec des intrants. Et à partir de ce moment-là, oui, vous pouvez piloter. Donc euh, pour piloter un rendement euh, euh, aussi intense sans euh, adapter parfaitement la vigne à son sol, ben, euh, ben oui, il faut faire une, une agriculture d'intrant. Et c'est de ça dont on veut sortir, puisque pour faire une agriculture d'intrant, on est obligé de faire une agriculture où on, où, on se, où, on, où on met le sol tellement à nu, où on met le, le système tellement à nu qu'on se met à pouvoir piloter. Et on doit piloter... Tout et on doit on doit se substituer à tous les systèmes de régulation de la nature et c'est là où ça devient complexe en fait c'est ça qui devient complexe c'est à partir du moment où on cherche à, à piloter intégralement le système on se doit et on devient responsable de de, de tout les systèmes de régulation. Et c'est extrêmement lourd à porter. Extrêmement lourd à porter. Oui, mais on voit bien que ça ne marche pas puisque l'eau est polluée, euh, l'air est pollué, etc. Donc, euh, en fait, ce, ce contrôle qu'on prend en faisant le vide, il ne fonctionne pas. Et les intrants, ben, on les retrouve dans l'eau systématiquement. Ça coûte très cher. C'est du carbone gaspillé pour rien. Alors qu'on euh, pourrait faire confiance aux végétaux. Ce qui est frappant, c'est de voir comment, combien de viticulteurs nous disent qu'après avoir... Euh euh, cultiver des enherbements, après avoir remis quelques arbres, euh, après avoir euh, diminué leur mécanisation, ils nous disent qu'ils ont changé de métier. Ils nous disent qu'ils ont changé de métier, que, que, que clairement, ils n'ont plus du tout le même rapport à leur culture, à leur, à leur agriculture. D'ailleurs, la plupart d'entre eux se mettent à devenir euh, à moitié euh, entomologistes ou euh, à moitié... Euh, euh, naturalistes. C'est assez étonnant, ça. en fait. Hein, Il, ils deviennent botanistes. Botanistes, oui, surtout. Éleveur de vers de terre, éleveur de champignons, euh, garder la vie, garder la vie, garder la vie dans la vigne, le règne fongique, le règne végétal, et puis là, le, le règne animal, Hervé. Eh oui, le règne animal, la, 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 la chauve-souris. Alors là, vous avez un oreillard à ses grandes oreilles. Il paraît très grand là, mais ce n'est pas, pas une immense souris. Elle va faire euh, moins de 20 cm d'envergure. Alors l'oreillard, euh, c'est un, un animal extraordinaire parce qu'il euh, il, il est très efficace dans la régulation de la mouche de la grappe. Voilà, donc quand il y a des oreillards qui passent, ils sont même tellement efficaces qu'il y a peu d'adultes euh, papillons quoi, qui, 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 qui vont... Euh, qui vont pouvoir euh, s'en sortir. Hein. Sauf que l'oreillard, c'est un animal dont le sonar ne porte qu'à une trentaine de mètres. Voilà, donc quand il envoie un bip et qu'il n'y a pas un arbre pour lui renvoyer un écho, eh ben, il n'y va pas, c'est comme s'il si était au bord du vide. Et quand on a une plantation très homogène et qu'il n'y a aucun relief à l'intérieur, susceptible de donner des bornes d'indication pour que les oreillards puissent circuler, à travers le vignoble, ben ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas. Et quelquefois, on a des oreillards à proximité et on a plein de mouches de, grappe, de, mouches de la grappe dans, dans, dans ces vignes. Alors que le, il suffirait de un arbre tous les 30 mètres pour l'oreillard, neuf arbres par hectare pour que le milieu redevienne soudainement euh, poreux, attractif au, au déplacement de ces chauves-souris. Autre déplacement important, les hirondelles. Vous on dit que les hirondelles ne font pas le printemps. Et pourtant, et pourtant, vous voyez, on connaît bien sûr en été tous les insectes qu'elles peuvent manger, mais dans le reste au printemps, lorsque les hirondelles vont hiverner dans le sud et qu'elles reviennent. Et là, c'est une petite vidéo qui montre des migrations animales de toutes formes d'oiseaux sur toute la planète. Et on voit qu'ils viennent du sud, qui passent par le Nil, qui contournent de la Méditerranée pour arriver jusqu'en Europe. Et en Europe, toute une série d'animaux vont coloniser, se, se, se capter, enfin d'abord rester un petit peu dans le nord de l'Allemagne avant de parcourir et de, de, de s'étaler par tout partout le cercle polaire pour se reproduire et se multiplier. Il se passe exactement le même phénomène en Asie. Et le même phénomène va aussi se passer aux, aux Amériques. Mais quand un oiseau part du sud, d'une région aride et sèche, et qu'il a mangé des insectes ou qu'il a mangé un petit verre de terre, imagine une cigogne qui a transporté dans son appareil digestif euh, une musaraigne qu'elle a mangée en Éthiopie et que une musaraigne qui elle-même avait mangé un verre de terre. Lorsque cette cigogne va arriver chez nous, elle va euh, se. Disséminer, euh, inoculer les micro-organismes de zones beaucoup plus au sud vers chez nous. Et tous ces oiseaux qui circulent comme ça, qui arrivent au printemps, à un moment où le sol froid est en train de se réchauffer, à un moment où les trames mycorhiziennes sont en train de se régénérer, à un moment où l'activité biologique du sol a été réinitialisée par l'hiver et commence à se redéployer. Ces écosystèmes se ce solvent être enrichis de la diversité des micro-organismes que les animaux vont transporter. Et ainsi permettre une adaptation de plus en plus, de plus, en plus fine de nos écosystèmes au, à ce qui vient du sud. Et en période de réchauffement climatique, oui, ça fonctionne du sud vers le nord. En période de refroidissement, c'est le contraire. C'est quand les animaux du nord redescendent vers le sud que tout ce qui s'est vécu dans le nord va se retrouvés concentrés dans, dans, dans les zones du sud. Et vous donc là, on est au dentail de, des dentelles de Montmirail, hein, euh, un endroit où on a une zone naturelle qui accueille énormément d'oiseaux migrateurs, autour duquel on a des forêts euh, de conifères et la, la vigne juste à côté. Et ben c est, c est, ces arbres ces lieux dans lesquels les oiseaux migrateurs vont arriver, vont se développer en, en, en été, euh, et puis bien sûr vont avoir transporté avec eux une partie des inoculums et de la vie et des écosystèmes du sud, de là où il y a encore plus d'aridité que chez nous. Aujourd'hui, on, on observe que dans les endroits ouverts qui accueillent ces migrations qui viennent du sud, les vignes et des écosystèmes cultivés d'une façon générale s'adaptent beaucoup plus facilement, beaucoup plus efficacement. Et tous ces petits oiseaux qui arrivent vont permettre de, de, de nous aider, en fait. Sans parler de tout le guano qu'ils peuvent transporter. Hein, dans certains endroits, dans le sud-ouest de la France, on a pu mesurer euh, de, de 500 unités, euh, 300 unités d'azote qui étaient apportées euh, couramment et jusqu'à 500 unités d'azote qui pouvaient être apportées rien que par le guano des, des animaux. Des, des quantités tout à fait, euh, des guano des oiseaux, des quantités tout à fait surprenantes. Oui, et alors, donc, là, en... quoi, oui. oui, ma Marceau, là oui. tu nous as remis Châteauneuf du Pape. Oui, alors j'ai remis Châteauneuf du Pape parce qu'en fait c'est pour raconter l'histoire de comment on peut reconduire et, et permettre de, de, de construire des liens entre entre les territoires et nos et nos vignes en fait entre les, les zones naturelles et nos vignes. Et là on voit euh, bah, le Vaucluse qui descend le le le, le, Rhône, le Rhône en fait, hein, hein. le Rhône qui descend entre le Vaucluse et le Gard et euh, et le et en fait, le, le, la, la vie qui doit drainer en fait, hein, autour, de, autour de son flux. Et, euh, et de penser que tout le long des rivières ou euh, autour des forêts ou euh, bah, sur les zones naturelles, comme tu nous as dit, des dentelles de Montmirail, par exemple, qui ne doivent pas être très loin. Je ne sais pas si on les voit sur la photo, elles ne doivent pas être très, très loin. Maison, oui. Mais, mais, euh, mais à, côté, à côté, on a, on a la ripicile hein, donc, euh, Cet écosystème dans lequel la vigne est née et qui contient tous les auxiliaires qui peuvent nous être utiles et Là, importants voilà. pour, le, pour, no, pour notre c'est un petit peu Et, et, et ces épicycles les produisent en abondance exactement, ça c'est un petit peu plus au nord où on voit d'ailleurs qu'il y a même des canaux là, de, sans doute de, euh, construits par l'humain, mais euh, entre le Rhône et les canaux, on a aussi des, des étangs là où doivent se reproduire des quantités de batraciens qui doivent nourrir des oiseaux, qui doivent faire circuler ces, toutes, ces, toutes ces informations, toutes ces substances là qui vont pouvoir réinoculer nos, nos territoires, et c'est comme ça depuis, le, depuis la nuit des temps même, d'ailleurs tu nous racontes certaines fois que les, 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 les poissons, la migration des poissons et d'ailleurs des, des, des saumons nous, nous permettent et nous permettaient et nous reprennent avec les, les nouveaux aménagements de rivières de remonter le phosphore euh, euh, qui est dans les océans de le remonter dans les terres. Imaginez bah, un saumon qui, euh, bah, qui remonte, qui, qui, qui vient de l'océan et qui remonte à un fleuve et qui est mangé par un ours qui va aller déféquer le saumon euh, au sommet de la montagne, euh, au niveau de la source et de, de nouveau bah, ce, ce phosphore va être répandu. Euh, de la source jusqu'en redescendant euh, partout euh, de la montagne dans, tout, dans toutes nos terres et, et relancer euh, aussi des cycles euh, ben, essentiels de certains éléments. Donc, ça, en fait, ça, ça s'appelle euh, le ruissellement. C'est la... Ouais, ah. la théorie du ruissellement. Ouais, donc la ça. nature l'a inventé depuis belle lurette, donc on aimerait que ça nous arrive dans la société aussi. <laughs> oui, ouais, c'est sûr. Donc là, en Allez, fait, on zoome un peu. Là. Ouais, on zoome un peu. En fait, l'idée, c'était de partir de très loin. Vous avez vu, on part de la migration de la planète entière et voir comment ça circule. Puis après, ben, on regarde à l'échelle d'un territoire. Mais le vin circule beaucoup aussi au demeurant. Ouais. En effet, d'ailleurs, on a tellement fait circuler le vin qu'on a même permis au mildiou, au phylloxéra, et à l'oïdium de circuler aussi. <laughs> mais mais c'est pas forcément une histoire qui, est, qui sera dramatique dans le futur. Vous allez voir qu'on ben, pourra en parler peut-être une autre fois, mais que, que ces maladies-là, elles ont aussi, elles aussi, des choses à nous apprendre sur la régulation et sur les régulations. Et c'est probablement euh, à la fois des choses terribles qui se sont passées pour la viticulture, mais aussi une chance de comprendre à quel point euh, la manière de concevoir nos systèmes était déficiente et, et reste encore aujourd'hui déficiente et il y a des portes de sortie avec l'agroécologie euh, là c'est donc euh, sur un territoire, on doit faire re-rentrer ben, dans une ville peut-être là, entourée euh, de, de ce cercle rouge, on doit faire re rentrer de la diversité, donc on va aller la chercher là où elle est, donc d'abord sur la ripisylve, et puis euh, ben, là c'est sur des anciens étangs qui étaient des, 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 des carrières hein, où, 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 où on sans doute on allait chercher des galets, il ben, y a toujours aussi beaucoup de diversité sur ces zones-là qui sont des zones de rencontre entre différents milieux, vous voyez un milieu où il y a de l'eau, un milieu où il y a de la forêt, un milieu où il y a de la ripisylve, un milieu qui est très sec et aride de la vigne, où il y a quand même une certaine diversité. Ces milieux sont des milieux de rencontres, des rencontres importantes que l'on appelle des écotones, euh, qui stimulent euh, la production de biodiversité. C'est-à-dire que la, la, la rencontre entre euh, les, les, les différents milieux, entre les, différentes, euh, les différents organismes vivants qui vivent dans ces milieux, permet de stimuler euh, davantage encore de diversité. Et donc on va aller chercher. Euh, cette diversité, et puis la faire circuler sous forme de corridor Donc, essayer de voir comment cette diversité va pouvoir circuler pour venir réensemencer nos parcelles. Et donc là, euh, sur cette carte-là, ce que ça nous montre, c'est qu'en fait, on a une, une espèce de continuité quand même entre nos parcelles et, euh, et le, le, le Rhône, là, et qu'il euh, y a une possibilité de, de laisser, peut-être, de, de, de bénéficier de la diversité qu'il y a dans le Rhône pour venir réinonder nos parcelles de ces équilibres-là. Alors en zoomant un peu, on s'aperçoit que les corridors, ben bah oui, les corridors, c'est les haies. Quoi. Et c'est pour ça qu'on replante des haies. On replante des haies pas simplement pour faire des brisements, on replante des haies pas simplement pour euh, bah, protéger de, de, des, des intrants du voisin, on replante des haies aussi pour permettre la circulation de la faune, quoi. pour permettre la réinoculation des organismes de régulation du système, pour permettre à la nature de récupérer ses fonctions. Et donc euh, ces haies, ces corridors nous permettent donc... Donc là voilà de ramener dans la vigne ces systèmes donc on va réfléchir à la manière dont on va faire rentrer ces ces, ces systèmes avec ces, ces petites circulations qu'on va faire d'abord extra-parcellaire parce que c'est toujours un peu difficile dans un premier temps d'arracher de, ben, des rangs de vignes et de replanter de de la haie à, dans dans les rangs de vignes donc on peut pas toujours se le permettre économiquement euh, structurellement puis c'est c'est quand même ça a quand même un coût aussi même si c'est beaucoup aidé beaucoup subventionné euh, si on a des, des aides, ben c'est des, 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 des connaissances techniques qui sont pas faciles non plus à avoir, et puis de la main d'œuvre. Hein. Mais petit à petit, on va pouvoir recréer ces, ces corridors et ces circulations. Et puis, euh, euh, une fois qu'on aura créé ces corridors et ces circulations, on pourra imaginer donc faire ce que nous disait Hervé, simplement de commencer à planter des arbres intra-parcellaires pour permettre à la faune de circuler aussi à l'intérieur de nos parcelles. À la faune et d'ailleurs aux humains qui vont pouvoir bénéficier de ce nouveau paysage protecteur, nourricier. Tranquillisant, vous voyez, bah, tous ces arbres fruitiers, c'est des arbres qui sont encore une fois productifs aussi pour, euh, ben pour la faune, mais surtout pour les êtres humains, en fait. Hein. On est bien content de pouvoir ramasser des prunes, euh, à défaut de ramasser des raisins, certaines années. Donc, euh, ben là, c'est par exemple euh, euh, fantastique dans, ce, dans cet axe-là. Et puis, on peut mettre aussi ben, des arbres euh, intrapercélaires qui pourraient être des arbres producteurs de biomasse, comme, euh, comme on voit les trognes en haut à droite, où on pourrait produire de la biomasse qui pourrait participer à la reconstitution, euh, reconstitution de la fertilité des sols. Donc ces arbres interparcellaires, il va falloir essayer d'imaginer comment on peut les rentrer dans les parcelles et c'est certaines fois un peu difficile puisqu'il va falloir faire avec la mécanisation, ben oui, certaines fois il faut pouvoir enjamber les rangs de vignes. Alors a-t-on besoin d'enjamber tous les rangs de vignes Certaines fois, il faut pouvoir euh, bah, garder des tournières, pouvoir circuler. Donc, euh, bien sûr que aujourd'hui, on, on arrive avec Alain, avec des gens talentueux euh, qui font de l'agroforesterie. Avec aujourd'hui, Arbre et Paysage 66, euh, qui va prendre le relais dans toutes les Pyrénées orientales, à réfléchir des systèmes qui permettent euh, bah, de, de, de construire des systèmes agroécologiques performants, des systèmes euh, agroforestiers performants. C'est-à-dire que bah, on ne doit pas forcément euh, abandonner les machines, on doit euh, construire des systèmes euh, euh, adaptés aux machines. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on aurait pu faire et qu'on aurait dû faire et qu'on devait faire après le remembrement, c'est-à-dire toutes ces très grandes parcelles que l'on a construit euh, euh, à grands coups de, de, de subventions pour remembrer euh, toutes nos parcelles où on a fait des landscapes ouverts immenses, en fait on aurait pu tout à fait avoir des, 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 des systèmes tout à fait mécanisables euh, de très intense où on maximisait les productions on aurait pu euh, maintenir la fertilité de nos sols conserver stimuler la biodiversité continuer à produire à préserver l'environnement tout en cultivant des grandes quantités de nourriture pour les êtres humains simplement en, en réfléchissant euh, la manière de structurer nos champs euh, tout en ben, acceptant cette euh, ben, oui cette cette, pro cette progression, on pourrait dire, de la mécanisation, même si on voit qu'il y, y, y a des problèmes avec cette mécanisation, mais bon, c'est dans le temps, donc on est dans l'ère du temps et on essaye de s'adapter à ça. Et aujourd'hui, on trouve des systèmes qui sont parfaitement fonctionnels en agroforesterie, où on arrive à produire autant, si ce n'est plus, hein, euh, tout en continuant à, à travailler avec nos, nos anciens systèmes. Donc il euh, n'y euh, a plus trop d'excuses à ne pas planter d'arbres, en fait, aujourd'hui. On a, on a les solutions. Non, il n'y a pas d'excuse du tout, puisqu'on commence à comprendre que c'est le végétal qui va climatiser la planète. Donc, de toute façon, dans un, une période où ça chauffe de trop, si ce végétal n'arrive pas rapidement, de toute façon, on n'y arrivera pas. Donc, le, à un moment donné, nos machines devront s'adapter au végétal à nouveau. De toute façon, on n'a pas le choix. Quand on pense à un sol qui va monter à 35 degrés, euh, euh, bah, en fait, c'est du réchauffement climatique direct. Quoi, hein. On pense à, à diminuer les consommations de gasoil du tracteur, mais sincèrement, si on avait simplement un peu d'herbe sur le sol, on limiterait sacrément la température. quoi Imaginez à l'échelle d'une appellation là, comme Châteauneuf-du-Pape, mais ça pourrait être dans tout le Minervois ou dans tout le Languedoc là. Hein. Si on commence à couvrir les sols viticoles avec du végétal, on a un impact direct sur la température, non seulement ressentie. Mais aussi euh, l'humidité de l'air, la capacité à stimuler la production de pluie, parce que, ben oui, plus il y a de chaleur, plus il y a des vapeaux de transpiration, plus il y a des sols à nu, moins il pleut. En fait, c'est un cercle vicieux terrible, quoi, qu'il va falloir absolument enrayer. Et l'arbre, c'est l'outil, euh, ben, magique, parce qu'on peut continuer à produire, produire des arbres, produire de la vigne. Elle est faite pour et protéger, euh, diminuer la température. En fait, c'est un vrai message d'espoir, là, qu'on en balance. Hein. Et, le, et le vin, le vin est un produit vivant. Le vin est un produit vivant et ce que l'on propose là, c'est de faire rentrer encore plus de vie dans notre vin. Voilà. On disait Bois, bois un canon, sauve un vigneron, passe en agroécologie, sauve le climat, c'est aussi simple que ça. Hein, ces, ces notions d'optimisation, de, de, de diversification, de, de, de productivité. c'est aussi, on parle de mécanisation, dans les mots qu'on a bien caractérisés, les mots MAX de la viticulture, on voit bien qu'on passe 42 fois, on passe 42 fois en moyenne ou 43 euh, selon, selon, les, selon les jours. Hein. donc c'est aussi passer moins souvent pour que pour que ces plantes qui, qui apparaissent et, et qui sont notre fil conducteur et éditorial euh, soit, soit vraiment à notre, à notre service. Ça veut dire aussi pour, pour nous tous, ça veut dire aussi pour nous tous de la cohérence, hein, de la fertilité, de la cohérence, et, et c'est aussi le, le chemin de, de l'autonomie. Et ça, ça nous paraît extrêmement important, cette, cette histoire d'autonomie, bien évidemment. La diversité, c'est à tous les étages. C'est rigolo parce que ce, ce regard-là, un peu fractal, vous voyez, on vient de très loin, puis là on rezoome. On est, on est passé par l'infiniment petit avec Hervé, avec les bactéries, avec les champignons, et puis on est reparti à, sur une vision planétaire de, de circulation de cette faune. Et puis là, petit à petit, on revient un peu sur notre parcelle et on retombe sur le, le mètre carré, on retombe sur sur, sur sur les plantes, sur la couverture de sol. Ce regard-là, je pense qu'il est vraiment intéressant pour l'agriculteur de, de s'apercevoir qu'en fait, il intervient sur quelque chose de global. En fait, on se rend compte que tout va démarrer du sol, sa couverture, son toit. Et ce toit, on peut lui donner de plus en plus de hauteur. Donc, de plus en plus de performance. Et c'est la climatisation. Elle se fait par cet étagement, comme l'a expliqué Hervé. Alors, à titre d'anecdote, un vignoble qui n'avait pas l'habitude de couvrir les sols, on lui a mis du trèfle incarnat, du trèfle de Micheli, qui est en fleur au mois d'avril, globalement. Et donc, il a quelques ruches pour faire écolo. Hein, cette année, les ruches ont produit tellement de miel qu'il n'a jamais vu ça de toute sa vie avec des roosses, deux fois des roosses, dans toute la période du printemps. On a laissé fleurir. Un mois durant euh, toute, euh, comment dire, euh, toutes ces plantes-là. Donc, on se rend compte qu'on peut produire énormément de biodiversité et de nourriture à partir euh, des, des systèmes de culture. Donc, en fait, euh, la, la biodiversité, elle se produit vraiment. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et en fait, nos abeilles, elles ne meurent pas des néonicotinoïdes, elles crèvent de faim. Point. Bon, on a des champignons, on a des oiseaux, on a des chauves-souris, on a des abeilles, enfin des pollinisateur euh, au sens large, on commence à être pas mal, Marceau. Là. Ouais, c'est sûr. Maintenant, on va peut-être pouvoir parler de la vigne elle-même. Hein. Ah, tiens, ce serait temps. Oh, elle est belle. Oh là là. On en a des catastrophes. Mais hein. ben, on a un problème génétique quand même sur la vigne à régler, qu'on hein, qu n'a toujours pas réglé. À la sortie de, de cette crise phylloxérique, euh, ben, on a décidé de greffer la vigne sur des portes-greffes pour qu'elle puisse être résistante au phylloxéra. Le phylloxéra a, a soi-disant tout désingué, mais en fait, on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. Que c'est une somme de, de problématiques qu'il y a eu. On n'a eu pas le phylloxéra juste seul. Il y avait le mildiou, l'oïdium en même temps et le black rot. Et donc, en fait, c'est une crise globale qui a eu une crise, de, une crise de, venue d'outre-Atlantique. Mais c'est ça qui est assez, euh, assez fou, c'est que qu'on euh, s'est retrouvé avec euh, des maladies que notre ville ne connaissait pas. Et on a euh, décidé de au lieu de permettre à notre vigne d'apprendre à connaître cette maladie, de d'utiliser de, de, d'autres stratégies quoi. Alors on a, on a essayé hein, il, y euh... avait, il y avait urgence quand même. Il y avait que... urgence et d'ailleurs on peut jeter la pierre à personne puisqu'en fait il y a eu deux, les deux stratégies qui ont été utilisées, c'est-à-dire qu'on a essayé d'abord de, de greffer sur des porte-greffes américains, puisque la vigne elle américaine avait coévolué avec ces maladies, donc elle les connaissait, elle arrivait à les gérer. Hein. Ça ne veut pas dire que ces maladies n'existaient pas là-bas, bien au contraire, elles existaient, mais les plantes avaient appris à coévoluer avec. C'est comme, c'est le cas d'ailleurs pour toutes les maladies. En fait, les maladies c'est des expressions de déséquilibre. Ou peut-être même un chemin vers un nouvel équilibre, en fait. Et donc, ce chemin vers le nouvel équilibre, bah, sur la, sur la ville américaine, c'était facile. Et donc, on avait un système racinaire qui était parfaitement résistant au phylloxéra. Est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question si nos maladies et nos ravageurs ne sont pas les sélectionneurs ultimes des plantes c'est-à-dire le test de vérité, puisque la plante, c'est l'outil de partage par excellence. Bah, c'est ce qui se dit sur les virus. Hein. C'est ce qui se dit sur les virus que les virus euh, sont euh, les organismes qui génèrent le plus de, de, de mutations euh, chez les, les animaux, les humains et, et la nature. Et effectivement, bon là, il ne s'agit pas de virus. Hein, il s'agit d'homicètes, de, de euh, d'insectes, euh, de champignons. Donc, euh, ben, je pense euh, ben, qu'ils ont aussi des rôles euh, d'évolution. Mais en fait, l'évolution, c'est pas quelque chose d'unilatéral. C'est pas un, un, un

quelque chose qui vient perturber quelque chose d'autre il n'y a pas des méchants et des gentils il n'y a pas des perturbateurs et des perturbés en fait c'est un ensemble de choses c'est-à-dire que ben nous dans notre capacité de résistance on permet aux, aux virus aux bactéries aux champignons d'évoluer et en fait elles ont ils ont besoin eux aussi d'évoluer ils sont comme nous en fait et c'est une coévolution collective et donc c'est soit on se donne la main soit on se fait la guerre et là il y a il y a, y a une vraie problématique sur notre posture par rapport à l'environnement en fait et, on... et quand c'est réussi c'est que tout le monde survit mais quand c'est réussi c'est que tout le monde meurt et c'est pas un problème que tout le monde meurt les uns après les autres. C'est à dire que euh, c'est réussi quand on accepte absolument la mort comme un cadeau que la vie fait à la vie, en fait. Et donc euh, c'est réussi à partir de ce moment-là. C'est réussi quand on redescend en pression euh, à ce niveau-là. Bon, là sur euh, sur cette idée d'obsolescence programmée, ce que j'ai à dire là, c'est que ben bah, oui, il y avait deux, deux stratégies. On, a, on aurait pu passer par le pépin et euh, continuer à travailler nos vitis vinifera, les faire progresser et petit à petit développer leur résistance. C'est une voie qui a pas vraiment été choisie ou qui était tellement complexe et longue qu'on a préféré essayer de faire des de géants et on avait besoin de faire ces de géants donc on a commencé à greffer nos plantes sur des porte greffes américains mais on a fait aussi des hybridations entre des greffes entre les entre ces porte greffes et nos vignes là on a pollinisé l'une avec l'autre et puis on a commencé à créer ces fameux cépages hybrides qui sont en fait simplement des, des pollinisations croisées entre deux, deux espèces de vitis et puis on a petit à petit euh, réamélioré ces cépages et on se on se retrouve aujourd'hui d'ailleurs avec un, un avènement fort pour ces cépages-là qui euh, maintiennent et conservent des résistances, quoi, qui conservent des résistances euh, de, surtout au mildiou, à l'oïdium, mais aussi pour certains au phylloxera. Alors bon, on cherche moins les résistances au phylloxera parce que ça nous arrange aussi de pouvoir continuer à greffer, de bénéficier des résistances, euh, des résistances au calcaire extrêmement fortes de nos vignes américaines, mais bon. En fait on a un problème avec euh, avec euh, avec ces pro euh, avec ce, cette génétique là et puis on a un problème avec le fait qu'on bouture les plantes et qu'on a des des, des des plantes qui ont des systèmes racinaires qui sont déficients c'est ce que raconte cette, cette, cette image là avec à droite une plante issue d'un pépin vous voyez avec euh, un système racinaire pivotant euh, parfaitement classique pour une plante pérenne et à gauche euh, ben un système racinaire euh, qui a été euh, planté dans un trou trop petit probablement avec des racines qui remontent et une probablement euh, une... trop humide. Oui, sans doute trop humide et aussi euh, beaucoup trop petit par rapport à la taille des racines et donc comme c'est une plante ligneuse, eh bien, elle n'est elle pas capable de remettre des racines à cet endroit-là. Donc elle conserve les racines courbées et puis elle va s'auto stranguler. Donc on a bon, des, des vrais problèmes de bouturage à régler en plus des problèmes de greffage et tout le reste quoi. Si on repart un peu un peu plus loin on s'aperçoit que oui cette cette, cette cette plante cette vigne là elle a, elle a un besoin fondamental cest c'est de pour pour fructifier c'est d'être à la lumière et c'est un besoin fondamental pour fructifier mais ce n'est pas un besoin fondamental pour vivre. elle a développé un système qui est fantastique qui fait que quand elle est à l'ombre elle ne fructifie pas. Et euh, c'est très connu en viticulture puisque euh, si euh, on fait ces travaux de palissage, de, de débourgeonnage, de nettoyage, c'est pour que chaque sarment puisse voir la lumière. Si vous aviez un, un paquet de sarments les uns sur les autres et que vous, vous, vous négligiez votre, vos, vos travaux en verre, par exemple, ou votre ébourgeonnage, ben vous auriez une vigne qui aurait ben, moins de fruits. Parce que simplement, en fait pour produire des, des, des raisins, il faut que les bourgeons qui se construisent à l'aisselle des feuilles soient capables euh, de recevoir la lumière, soient en position pour recevoir la lumière. À partir du moment où ils reçoivent la lumière, ils se mettent à fructifier. Tant qu'il n'y a pas de, de, de lumière, en fait, ben, la vigne elle pousse euh, au pied de l'arbre et elle se contente de se développer et de monter dans l'arbre, jusqu'à ce qu'elle passe au dessus de la canopée de l'arbre, et à partir du moment où elle est au dessus de la, de la canopée de l'arbre, là, elle se met à fructifier allègrement. Elle est donc construite comme ça, les pieds à l'ombre et la tête au soleil, pour faire des raisins qui seront consommés par les oiseaux qui vont la transporter. Finalement, faire des couverts végétaux, c'est assez intelligent, si je comprends bien. Ah ben on pourrait mettre les pieds à l'ombre. Ah, mais c'est complètement une manière de, de de mettre les pieds à l'ombre. Alors, c'est pas l'ombre d'un arbre, c'est pas la microbiologie d'un arbre. En fait, hein. on voit que l'alimentation de la vigne avec euh, une flore herbacée, c'est pas tout à fait son alimentation classique au niveau de au niveau de ses liens mycorhiziens. Quoi, hein. c'est un peu plus compliqué. Même si, ben, la vigne, c'est une plante qui, ben elle, elle, elle fonctionne quand même assez bien avec les, les strates herbacées. C'est ce que nous racontait Hervé tout à l'heure sur euh, son affection particulière pour euh, pour euh, les, les champignons endomycorhiziens, euh, qui sont plus euh, à la fois dans les strates herbacées ou les milieux un peu plus ouverts, avec euh, avec notamment des bah, les, les, les plantes de rive ou, des, ou les plantes de, de lisière euh, que sont souvent les rosacées. Et donc euh, elles adorent ces plantes-là. Elles sont un petit peu moins fans quand même des plantes qui font des tanins, comme le chêne ou comme le pin. C'est un, un peu moins leur monde. Mais bon, en tout cas, elle pousse tout à fait de manière admirable au pied des arbres pour se développer jusqu'à la canopée et faire du raisin pour les oiseaux. Cette, cette plante, c'est une plante qu'on a descendue de l'arbre et qu'on a donc domestiquée, mais sa naturalité reste exprimée. Elle a toujours une structure de soutien que l'on appelle le cèpe ou qu qu'on va appeler la liane, et cette structure de soutien va porter tous les ans des sarments qui sont des systèmes d'exploration. Ces sarments, c'est des, des organes qu'on qu peut dire végétatifs. Hein. C'est comme une espèce de graine qui va germer sur le bois à chaque fois. Un bourgeon, c'est une graine sur un système permanent qui va se développer et aller explorer l'espace. Explorer l'espace et restimuler la connexion entre la plante et l'espace. C'est fantastique. Ces plantes pérennes, en fait, elles ont une capacité incroyable à garder de l'énergie durant toutes les périodes hivernales et puis à relancer cette énergie, non pas dans des graines, mais dans des bourgeons qui vont aller prospérer et permettre le déplacement de cette plante-là, l'exploration de l'espace, pour récupérer un maximum d'énergie lumineuse, pour faire fonctionner non seulement leur système, mais aussi tout le système symbiotique autour. La vigne, c'est vraiment une plante qui est une plante lien en fait. Elle crée des liens, et des connexions. Elle est encore plus que les arbres en fait. C'est une plante qui est construite pour la connexion en fait. Elle a besoin des autres, elle a besoin de support. Et donc, si on a besoin des autres, on crée des connexions par nécessité. On, on, elle a besoin de vivre avec l'environnement symbiotique autour d'elle pour être en bonne santé. C'est important de rappeler que. Ces images, la précédente, hein, on voyait une, une vigne échapper dans un frêne qui fait 25 mètres de haut. Quand on dit, est-ce que l'arbre ne va pas concurrencer la vigne Ben bah, bah non, bah non puisqu'elle est capable d'aller à 25 mètres de haut sur un frêne qui a 80 ans. Et elle pousse complètement au pied, donc toutes ces, toutes ces symbioses. Et puis, et puis j'aime, parfois tu nous rappelles Hervé, que euh, dans son environnement, la vigne est rarement malade. Oui, eh oui tout, à fait, tout à fait, mais... La, 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 le, le lien qu'elle entretient avec euh, euh, tous ces écosystèmes euh, crée justement cette résilience qui permet aux plantes, mais comme à tous les êtres vivants, d'être en meilleure santé. Bah, de toute façon c'est un peu comme toutes les plantes hein. on a le, le même système et le même schéma en fait hein. des plantes qui, euh, qui utilisent de, des sucres pour pouvoir arriver à récupérer des sels qui stimulent les sucres. Enfin, on, a, on a toujours un peu ce même regard avec, avec cette, ce, ce lien à l'environnement et l'essentiel de l'énergie c'est toujours l'énergie qui est produite grâce à l'énergie lumineuse quoi. et ça on a trop tendance à l'oublier Une, vigne, c'est un système auto fertile c'est un système auto fertile qui fonctionne grâce à l'énergie lumineuse et et qui va construire elle-même sa propre fertilité. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans la culture de la vigne, et que les viticulteurs doivent avoir comme conscience, c'est que euh, quand on cultive une plante pérenne, on cultive une plante auto-fertile. C'est-à-dire qu'on cultive une plante qui n'a pas besoin d'être fertilisée. Alors que quand on cultive une plante annuelle, c'est un peu plus compliqué, puisque pour faire germer une plante annuelle, vous voyez, avec ces conditions de levée de dormance, on doit arriver à créer les conditions de levée de dormance. Et certaines fois, ça nous amène à, à faire des compromis. Mais là, aucun compromis n'est nécessaire pour cultiver une plante euh, euh, pérenne. Euh, vous Donc, pouvez... Euh... Si elle avait assez de feuilles, assez de sarments, etc., qui reviennent au sol et qui nourrissent le cycle de fertilité, ça pousserait tout seul en fait, ça pousse tout seul réellement. En fait, c'est juste une histoire entre l'énergie produite et l'énergie consommée. Ce, ce petit schéma de la vigne sur un an, là, nous montre que bah, euh, toute la phase de développement printanière, là, vous voyez, c'est un schéma où euh, vous avez les petites lettres pour dire janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre décembre. Et en fait, c'est une année complète de physiologie et de phénologie sur la vigne, avec euh, au printemps une phase de développement qui, elle, est directement liée à l'énergie qui est contenue dans le bois. C'est-à-dire que la, les plantes pérennes stockent leur énergie dans le bois. Qu'elles vont redistribuer au printemps dans les bourgeons qui sont les mieux placés pour développer des rameaux. Et donc, c'est ce qui se passe sur la vigne. Donc, ces bourgeons les mieux placés, c'est les bourgeons les plus éloignés sur le système. C'est une plante liane qui doit se débrouiller pour grimper dans l'arbre. Donc, c'est à la fois les plus éloignés et les plus hautes. Et donc, elle va sélectionner un certain nombre de bourgeons qu'elle va développer en fonction de l'énergie qu'elle a en stock. Si elle a stocké beaucoup d'énergie l'année précédente, naturellement, elle va développer beaucoup de bourgeons. Si elle a stocké peu d'énergie, elle va développer peu de bourgeons. Et en fait, c'est l'altitude la, des bourgeons qui va dicter quel type de bourgeon elle va prioriser. Elle va prioriser tout le temps les bourgeons les plus hauts et les plus éloignés. C'est ce que l'on appelle le fonctionnement d'acrotonie. Elle, elle cherche à grimper dans l'arbre, hein, clairement. Et donc, tant qu'elle cherche à grimper dans l'arbre, elle ne cherche pas nécessairement à fabriquer du raisin. Si vous voulez, le raisin, c'est plus une résultante de sa position qu'une volonté de se reproduire. C'est une résultante. Il n'y a pas de volonté, moi, à mon avis, chez les plantes. Il y a simplement une posture et une manière de vivre qui fait que les choses se produisent ou ne se produisent pas en fonction des situations qu'elles rencontrent. C'est une manière d'interpréter l'intelligence, une capacité ultime d'adaptation à tous les systèmes, avec beaucoup de patience. Parce qu'on pense souvent la capacité d'adaptation comme quelque chose qui nous permet de nous adapter dans l'instant. Mais souvent, l'instant est vrai sur l'instant, mais l'instant d'après, ça devient faux. Donc en fait, il vaut mieux être un peu plus lent. Et c'est ce que les plantes ont compris. Elles fonctionnent beaucoup plus lentement que nous et elles, elles ont donc développé une capacité d'adaptation qui est une capacité d'adaptation au rythme des saisons en fait. Et c'est ce qui se passe là et, et ce développement du printemps, plus il est dynamique, plus la plante va arriver à stimuler une croissance forte qui va faire une pousse, qui dit pousse préformée, qui était contenue dans le bourgeon. Toute la pousse préformée du printemps, là, jusqu'à la floraison, c'était une pousse qui était contenue dans le bourgeon. Bah, plus il y a d'énergie stockée dans le bois, plus cette pousse préformée est grande, plus les feuilles sont grandes. d'où l'importance de la taille et du sarment. Enfin, d'où l'importance du nombre de bois que vous laissez à la taille, en fait, du nombre de rameaux que vous laissez à la taille, qui doit correspondre non pas à la charge en raisin, mais qui doit correspondre à la capacité de la plante à stimuler une pousse préformée dynamique. puisque plus votre pousse préformée est dynamique, plus ses feuilles sont grandes, plus elle a une capacité à récupérer l'énergie solaire. et en fait, cette énergie solaire va stimuler la capacité du rameau à produire une pousse qui est dite néoformée, qui est en fait la pousse construite grâce à l'énergie que va euh, euh, récupérer la plante sous forme de photosynthèse. Et cette énergie-là va permettre de faire mûrir correctement les raisins qu'il y aura sur ces sarments. S'ils ont été à la lumière, il y aurait une belle pousse préformée qui aura fait une belle pousse néo qui permettra d'avoir suffisamment de feuilles pour faire mûrir le raisin alors qu'au moment de, de, de la mise en réserve que l'on voit on a une période juste un peu en dessous là que je dis période critique de concurrence entre la maturation des raisins et la mise en réserve la maturation des raisins et la mise en réserve c'est-à-dire que la Là, maturer des raisins, donc faire mûrir des raisins, faire des tanins, du sucre d'abord, des tanins ensuite, puis après fabriquer des lipides dans les, dans les, dans les pépins, en fait, euh, une réserve énergétique euh, énorme pour arriver à relancer euh, le développement d'une racine et d'un cotylédon, et bien, ça, ça coûte beaucoup, beaucoup d'énergie à la plante. Donc plus vous avez de raisins, plus il vous faut de feuilles. Et donc cette, ce, ce rapport et ce ratio entre l'équilibre de production énergétique et de dépense énergétique est absolument indispensable à comprendre. L'énergie qui est construite par les feuilles, c'est de l'énergie qui est liée à la surface foliaire exposée qui doit être mise en relation au poids des raisins. La plante, elle doit distribuer l'énergie non seulement dans ses raisins, mais aussi dans ses sarments, dans ses racines, dans son bois, dans le sol. Elle doit nourrir les symbioses pour stimuler le système, produire des sucres pour pouvoir récupérer le sel qui permet de produire les sucres. Est-ce qu'on a une notion bonne de ces ratios Oui, on a, on a certaines notions, mais en fait, ça dépend tout à fait de la viticulture que l'on veut faire. Okay. Par exemple, les champenois qui ramassent assez tôt, parce mmh. qu'ils ont besoin de beaucoup d'acidité, ou alors on pourrait euh, prendre exemple aussi sur l'armagnac les, les, euh, ou le cognac, qui ramassent un peu plus tôt, ben, en fait, eux, ils peuvent se permettre d'avoir une productivité un peu plus importante, euh, puisque les raisins seront ramassés avant. Et donc la plante aura beaucoup plus de temps à remettre de l'énergie en réserve et aura donc plus d'énergie à redistribuer au printemps. Plus vous faites une maturation longue de vos raisins, plus vous êtes obligé d'avoir une récolte faible pour que votre équilibre entre la production énergétique et la dépense soit... Euh, correct en fait ça a un sens extrêmement fort euh, pour la plante parce que euh, bah, il va falloir qu'elle fasse autre chose je reviens un tout petit peu sur cette diapo là elle va falloir qu'elle va, elle va aussi devoir produire ses racines et donc euh, ça a un sens extrêmement fort ce regard sur cet équilibre là et sur cette auto-fertilité, parce que ça nous dit que pour arriver à produire des racines il faut que notre plante Stimule sa, produc sa production de racines grâce à la croissance de ses sarments. Et plus les sarments sont dynamiques et moins il y a de raisins, plus la plante a la capacité à produire des racines. Tout le monde le sait puisque les années de gel ou de grêle, on sait que l'année d'après, on va faire des grosses récoltes. Et on sait très bien qu'une plante dynamique supporte un enarbement. Donc en fait, là, on a l'outil, en fait. Tout le monde le connaît, mais personne l'utilise. C'est-à-dire que plus on a de feuilles, moins on a de raisins, plus notre plante fabrique de racines, plus elle est capable de faire des raisins plus elle est capable de résister à cette fameuse concurrence de production de la fertilité in situ par les plantes et les générations spontanées qui permettent la fertilité des sols. Donc en fait, c'est quand même assez idyllique comme système, la culture d'une plante pérenne. À condition de bien capter le rythme du végétal. Il faut capter à la fois le rythme du végétal et puis aussi il faut savoir aussi conserver l'eau parce que ben oui là pour être tout à fait honnête l'eau ça peut être l'élément bloquant du système quoi. Vous pouvez avoir de l'énergie sous forme de sucre dans la plante mais pas d'eau et ça ça peut poser problème. Bon ces sucres là ils sont stockés dans le bois et une plante c'est quoi c'est une plante qui pousse par-dessus la plante de l'année précédente tous les ans. Tous les ans, vous avez les bourgeons qui se développent, qui font des rameaux, ces rameaux font des feuilles qui produisent de l'énergie et les feuilles nourrissent le bois qui grossit en diamètre et les racines qui se développent en longueur et connectent la plante au sol grâce aux symbioses mycorhiziennes. Donc tous les ans, la plante grossit et grandit de manière inéluctable, et c'est les feuilles qui permettent la circulation et l'alimentation de ce système. C'est un système qui est parfaitement étanche par nature. C'est un système hydraulique dans lequel circulent des flux, je l'ai dit, de l'eau, qui contient des sels minéraux et de la sève él élaborée, des sucres, qui descendent dans l'écorce et qui vont nourrir toutes les parties en croissance de la plante. Donc euh, cette étanchéité est primordiale et on sait que la vigne est capable de, de vivre dans des situations d'aridité extrême et elle est capable, on le sait, d'aspirer de, de, euh, grâce à ses feuilles, grâce à l'évapotranspiration, euh, jusqu'à 20 bars de tension dans ses pétioles. Donc euh, imaginez quand vous avez plus d'eau dans votre sol, et bien votre vigne elle est encore capable d'aller aspirer de l'eau jusqu'à 20 bars jusqu bar dans les pétioles. C'est complètement fou hein, en fait. Bon, c'est beaucoup plus sur certaines autres plantes. Ce que ça nous amène à, 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 à comprendre là, c'est qu'on a un besoin d'étanchéité fort sur la plante. On a un besoin d'étanchéité pour conserver le bois vivant. Si vous ouvrez, si vous coupez, si vous taillez le bois, vous cassez l'étanchéité du bois, qui est une structure euh, qui, qui, qui stocke les réserves. Et ces réserves-là sont... Euh, ce qui permet à la plante de redynamiser sa croissance au printemps. Donc conserver les réserves, donc produire les réserves, mais aussi les conserver, c'est ce qui permet d'avoir une plante saine et résiliente. Le problème, c'est que dans notre manière de tailler, on ne, on, 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 on ne prend pas parti, on ne comprend pas que la plante, c'est une plante qui doit grossir et grandir. L'allongement, c'est quelque chose que l'on refuse. On a construit des systèmes de palissage, de mécanisation qui prennent partie de prendre la plante comme quelque chose de figé, duquel jailliraient des sarments comme par magie tous les ans. En fait, toutes les parties vivantes du bois, tout ce que vous voyez sur votre cèpe, tout ce que vous voyez à l'extérieur, c'est du bois de un an. Toute la périphérie, c'est le jeune bois, en fait. Tous les sarments poussent sur du bois de un an, tous, y compris les pampres à la base. C'est le recouvrement que la plante fait tous les ans, en fait. Exactement. Tous les ans, il y a un recouvrement. Et là, ce que l'on voit sur ce, sur, ce, sur ce bras de gobelet, en fait, que l'on voit à gauche, on, on voit un bras de gobelet tout à fait fonctionnel. Et puis, je me suis amusé à l'éplucher pour voir que les parties vivantes et les parties mortes. Et puis, après, tout à droite, j'ai ouvert l'intérieur pour vous montrer que, dans notre manière de tailler. Qui est tout à fait classique hein, en fait. Hein. On a un courson à deux yeux et systématiquement, ben, on prend le courson du bas pour allonger, pour éviter l'allongement à tout prix. Et puis si jamais on a un pampre plus bas, on va même aller jusqu'à réduire sur des bois de deux, trois, quatre ans le cep pour qu'il ne grandisse pas. Alors que c'est typiquement le fonctionnement de la liane de grandir. Et ben quel le résultat des courses ben, à chaque fois que l'on coupe un bois, on se retrouve avec des vaisseaux qui débouchent sur rien. Manque de bol. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que le bois sain, c'est le siège de stockage des réserves. Ce qui est fantastique dans ce système, c'est que c'est résilient. À partir du moment où vous acceptez de nouveau l'allongement, vous allez vous mettre à recouvrir les plaies, année après année, et à faire grossir la proportion de bois vivant, la faire grandir. Plus vous allez accepter cet allongement, plus vous allez avoir de bois vivant, et plus votre plante va se porter correctement ça, c'est un vieux gobelet de saint Saut que j'ai trouvé dans le Minervois, qui est, qui est, fantastique. En fait, il fait, euh, je dirais un 10, un de haut et puis un euh, mètre de large. Et en fait, je pense que toutes les vignes avant mécanisation, euh, dans le, dans le Languedoc étaient taillées un peu sous ce modèle-là. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de problème avec l'allongement. On n'avait pas besoin d'enjamber les rangs. On n'avait pas besoin de traiter avant Phylloxera, puisqu'on n'avait pas ces problématiques-là de maladies. Euh, de mildiou d'Oidium, on n'en avait pas. On avait peut-être un peu de botrytis, mais sincèrement, dans le Minervois, le botrytis, j'y crois assez peu. Donc, en fait, il y avait très peu de maladies. Et on, on, taillait nos vignes comme ça. Même, je dirais, après le Phylloxera, avant qu'on mécanise tout et qu'on cherche à mécaniser l'intégralité des systèmes, en fait, on avait des vignes qui étaient hautes comme ça. Et ces vignes hautes, c'est des vignes qui sont parfaitement résilientes, Ça, c'est une parcelle où il n'y a pas eu d'intrant depuis 15 ans et cette parcelle de saint qui est quand même un cépage assez fructifère elle produit quand même 70 hectolitres par hectare et par an sans aucun intrant. La seule chose qui est faite là ici c'est une tonte, une petite fauche par an avec un passage quand même de glyphosate au pied des vignes tous les deux trois ans de manière à ne pas être envahie par des graminées trop importantes. Bon. Euh, bah, sans doute un petit traitement aussi au cuivre et au soufre au minimum, hein, avec euh, d'après l'agriculteur euh, un traitement avec des brouettes de pulvérisation. Donc en fait, il n'y a plus aucune machine lourde qui rentre dans cette parcelle-là depuis 15 ans. En fait. Simplement, Pas simplement parce qu'il ne veut pas, simplement parce qu'elle est petite et qu'il n'a pas de matos. Ça. Et donc ça vaudrait le coup de faire le bilan biomasse produite de cette vigne pour euh, en faire le, euh, enfin, le modèle de l'auto-fertilité la du vignoble quelque part. Ouais, sur le modèle d'autofertilité, ça marcherait. Après, sur les systèmes que les viticulteurs ou que la viticulture a construit aujourd'hui, c'est un peu plus complexe, en fait. Il y a plein de compromis à faire. Euh, on a des besoins de productivité qui sont basés sur des types de cultures. On a, on a à réapprendre à faire fonctionner la plante, en fait. Et pour ça, il faut s'ouvrir à, à comment elle fonctionne. Et c'est ce que je cherche à faire, moi, tous les, tous les, toute l'année en formation, c'est de, de, de proposer un nouveau regard, un nouveau paradigme sur, sur cette taille-là. Un nouveau paradigme qui à la fois prend appui sur l'existant et qui fait que, bah oui, les tailles qui sont mises en place, gobelets, cordon guyot, les tailles chablis en champagne, ce sont des tailles qui sont très intéressantes, qui sont très intelligentes en fait quand elles sont comprises, hein. elles sont très fonctionnelles, mais il faut accepter quelque chose de fondamental qui est que cette plante-là est une liane. Et à partir du moment où vous commencez à accepter que cette plante est une liane et qu'elle a, elle a dans son besoin le fonctionnement d'allongement, et que la seule chose que vous devez faire, c'est veiller à faire en sorte qu'elle ait suffisamment d'énergie, donc de surface foliaire exposée pour alimenter le raisin, ben vous vous retrouvez avec une plante qui commence à avoir effectivement une efficacité de résilience et surtout de productivité qui, qui est efficace année après année. Donc accepter et construire avec allongement euh, et équilibrer la production énergétique, c'est aussi bien sûr construire des palissages qui, qui vont être au service de la plante et non pas au service simplement de, de la mécanisation. C'est-à-dire que le palissage doit évoluer avec la plante. On doit réfléchir l'allongement de la plante pour que la, la mécanisation puisse être possible un peu plus tard, quand la plante sera allongée. Et en fait, c'est juste un parti pris. Moi, je me suis toujours euh, dit, et en fait, ça m'est devenu encore plus fort les derniers temps, je me suis dit, on est sur un plan un plan de palissage la plupart du temps. On est sur un plan de palissage et on accepte l'allongement, par exemple, d'un guyot dans les deux sens. On fait des guyots doubles ou des guyots mixtes et les plantes s'allongent dans les deux sens. Vous avez des plantes plantées tous les mètres et vous allongez vos plantes dans les deux sens. Vous allez forcément avoir des problèmes de rangement hein, au bout d'un moment. Ça ne fonctionne pas en fait. Ça paraît bête et con comme ça, mais en fait, si on se dit la seule manière de faire pour continuer à bien ranger quelque chose qui est sur un plan et qui doit s'allonger tous les ans, c'est de faire en sorte que cet allongement soit unidirectionnel. Tout le monde doit s'allonger dans le même sens, sinon ça ne peut pas fonctionner. On va pas pouvoir mécaniser. Ça paraît bête. Deux fois trop. Mais en fait, c'est ce que je cherche à développer aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les tailles sont bonnes. Vous pouvez tout à fait continuer à faire vos guyots, vos gobelets, vos cordons. C'est des super tailles. Mais il faut accepter quand même la base. C'est une liane. Il faut accepter cet allongement. Aujourd'hui, euh, euh, on le voit tous les viticulteurs qui se mettent à faire ce, ce, ce système et qui, 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 ont, qui ont compris ce fonctionnement de la taille douce où on conserve les couronnes, où on construit l'allongement, où on construit un minimum d'allongement pour pas non plus perturber le système. Euh, et bien en fait, on s'aperçoit que les vignes bah, se mettent à arrêter de mourir. Il n'y a plus d'esca ou peu, très très peu. Et que, euh, surtout, l'énergie revient. On a des exemples euh, assez criants de vignes qui font passer de 15-20 hectolitres euh, par an à 30-40, simplement 2-3 ans de taille douce, sans aucune fertilisation. Ça veut dire qu'on a des problèmes de fertilisation, on a des problèmes de fertilité, mais qu'on a aussi des problèmes de gestion de l'énergie, ne serait-ce que dans la plante, en fait. C'est ça qui est dingue. Et ça, on peut le faire progresser. Il y a plein de systèmes dans le monde qui nous le montrent on a des systèmes avec des zones d'aridité autre chose que chez nous. Hein. Ben là... à santorin, il fait autrement plus sec que... il, ici, semblerait, hein. il semblerait... et en fait, on nous dit souvent euh, des idées préconçues comme ça, que dans les endroits où il fait sec, la vigne, il faut qu'elle soit basse. qu'il faut qu'elle soit courte. parce que si elle n'est pas courte, elle consomme de l'énergie. mais en fait, c'est l'inverse. effectivement, ça consomme un peu plus d'énergie d'avoir un cambium qui fait 15 mètres que d'avoir un cambium qui en fait 20 centimètres. oui. C'est sûr, mais ça permet aussi de stocker l'énergie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça se passe bien, le cambium qui fait 15 mètres, il produit du bois qui stocke de l'énergie. Donc tu augmentes ta capacité de résilience. Et tu augmentes aussi ton stock d'eau, tu augmentes ton inertie. En fait, plus ta plante, elle est longue, plus tu as potentiellement de l'inertie et, et, et c'est ce que nous montre cette couloura de Santorin qui est simplement une espèce de guyot double permanent enroulé en forme de nid en fait on n'a rien inventé de différent soit on fait une taille courte et on fait des coursons soit on fait une taille longue et on fait des baguettes et les baguettes on peut les mettre dans tous les sens regardez là par exemple, le trenzado de Ténérife qui n'est pas un cordon, qui est en fait une, une espèce de, de taille guyot allongement permanent, on pourrait dire un chablis à allongement permanent c'est une taille sur laquelle la baguette est conservée tous les ans et sur la baguette, on va conserver le sarment le plus éloigné pour faire la baguette de l'année d'après. Et tous les ans, à la base, on relance une nouvelle baguette. Et en fait, avec ça, à chaque fois que vous voyez sur cette image-là euh, le petit lien de raffia, vous avez une baguette. Donc le même cep de vigne qui fait 15 ou 20 mètres de long porte 30 ou 40 baguettes. On a calculé la dernière fois un cep de vigne tel qu'on voit là. Hein, il y en a des beaucoup plus longs à Ténérife, Un cep de vigne tel qu'on le voit là, il fait 80 à 100 kilos de raisin. Un cep de vigne. Bon, c'est un système qui, qui, qui prend énormément de temps à installer, puisqu'en fait, bah, les premières années, tu as une baguette, puis la deuxième, deux baguettes, et puis la troisième, trois baguettes, donc ça prend du temps à installer. Mais ce que ça nous montre, c'est l'extraordinaire capacité des feuilles à produire des racines. C'est ça que ça nous montre. C'est bien les feuilles là qui produisent des racines. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? C'est pas une histoire de concurrence là. C'est une histoire de surface foliaire exposée. Plus j'augmente ma surface foliaire, plus ma plante a la capacité de fabriquer à la fois du bois pour stocker l'énergie et à la fois de l'énergie pour stimuler la production de racines qui rentrent en symbiose avec l'environnement. Plus j'ai de surface foliaire, plus j'ai de surface racinaire. C'est basique. Mais mieux je résiste à la sécheresse. Et forcément, mieux je résiste à la sécheresse. Alors bon, faut dire aussi qu'à Tenerife, bah, ben, il y a un climat magique. Hein, il fait tout le temps bon, il y a de l'eau, il y a de l'humidité, il y pleut un peu à Tenerife, hein, il y a des entrées maritimes, il y a tout ce qu'il faut à Tenerife. Peut-être que ce serait plus long ou plus compliqué de faire ça dans des endroits très arides, mais euh, la couloura de Santorin nous le disait, ou alors la l'entrée de Tintore en Italie. La Tintore, ouais, ok, c'est dans le Piémont italien, il pleut un peu, mais aussi il y a des grosses températures. Hein. Et on s'aperçoit de quoi Ben que la vigne s'auto protège là. Hein. On peut mettre des arbres, mais on va aussi on peut conduire la vigne en forme d'arbre, et du coup elle peut aussi protéger le sol. Et donc en fait là on peut à la fois avoir des vignes et puis des, un élevage de moutons, pourquoi pas en dessous Regardez là les plantes en fait c'est que des petites annuelles dessous. Zéro concurrence Pourquoi Ben parce que qui c'est qui récupère l'énergie lumineuse C'est la vigne. Ben c'est la vigne. Donc si la vigne récupère l'énergie lumineuse, pourquoi il y aurait une concurrence avec l'enherbement Donc en fait ça veut dire que toute notre manière de structurer notre plante de construire notre système viticole doit, doit pouvoir être remise en question avec ces, ces problématiques qui nous arrivent. On doit arriver non seulement à changer de manière de tailler, mais aussi à accepter d'évoluer dans nos manières de palisser, de structurer, accepter de faire évoluer notre génétique. En fait, il y a un mouvement à prendre, il y a un mouvement à lancer de manière à, à, à continuer à pouvoir euh, fabriquer les, les excellents pinards qu'on fait encore aujourd'hui. Quelque part, tu nous invites malgré tout à bien sortir du cadre, là oui, bah, 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 pour produire de l'excellent vin, il faut vous sortir du cadre. Souvent, en fait. C est, c est le, 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 le... Bien sûr, c'est sortir du cadre pour résoudre les problèmes. Mais en fait, malgré tout, dans ce que je vous raconte là, vous pouvez tout à fait garder vos tailles et accepter ces phénomènes d'allongement en les. En les en les acceptant mais en les construisant, en les rationalisant. Et toutes les tailles que l'on construit aujourd'hui et les viticulteurs qui me suivent pourront témoigner, et peuvent témoigner, en fait, de, 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 de l'extraordinaire effet de vitalité que simplement l'allongement crée sur leurs plantes. Et ça, c'est magique. C'est sortir du cadre ou sortir de l'impasse Parce qu'il parce que, parce qu y a une forme d'impasse euh, au regard des chocs climatiques, mais pas que et, et cette proposition, dans ce triptyque agroécologique hein, qu'on a toujours défendu autour de l'environnement, de l'agroforesterie, de des couverts végétaux et puis de l'architecture, la, de, de la taille et de, de la mise en réserve, c'est une source d'inspiration. Chacun euh, on l'a dit et on le redit. C'est le cheminement qui compte, c'est le cheminement, c'est les ingrédients, c'est les éléments. Euh, ah tiens, et là, du coup, on est, on est réitéré, on est renouvelé. C'est ça, oui, ça c'est ça, ça, toi qui me réclame ça depuis quelques temps. Alain ah, 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 me dit, oui, mais il faut sauver les vieilles villes il faut sauver les vieilles vignes. Les vieilles vignes. Et... On arrache tout alors que c'est les meilleurs. Et... Alors je dis, ben bah, oui, tu sais Alain, c'est possible. Il faut, faut boucher les trous aussi. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça me fait penser d'ailleurs à... C'est rigolo parce que là, ça me fait penser à Mickaël, Georges et Mickaël qui nous... Euh... Qui nous, bah, qui, nous, qui nous fait boire son vin qui et nous met à disposition des Ouais, c'est fantastique et ce grenache noir là moi il m'a suivi là, toute la conférence et, et il, il m'a nourri euh, vraiment euh, de, de finesse, d'élégance et de complexité et michael en fait, il a eu des, il avait des vignes extrêmement faibles, faibles faibles faibles. Faible. Il avait des endroits où il restait un filet de sel, vraiment vraiment rien. Euh, la vigne que vous arrachez à coup sûr, un. Mmh. un espèce de gros paquet de bois mort avec un tout petit filet de sève qui fait, qui fait développer un serment qui fait 15 cm. Et Michael, il s'est dit Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, je tente. On va, on, va, on va faire un peu d'allongement. Et en fait, euh, bah, là, ce n'était pas, pas cette vigne-là, mais en 4-5 ans, là, là, ou, ou 6 ans, la dernière fois, il m'envoie une photo, et en fait, là, il se met à avoir des serments gros comme des pouces sur cette vigne-là qui faisait plus qu'une allumette. Et simplement parce qu'il a accepté simplement l'allongement enlever le raisin les deux, trois premières années, la plante s'est retapée, et puis ben, une fertilité construite avec des enherbements. Il nous en parlera demain, ce sera, ce sera mieux raconté, mais c'est fantastique. Ça, c'est un vieux guyot tout pourri, là. Un vieux guyot tout pourri, vous voyez, ces espèces de sacs de nœuds que nous font les guyots simples, qui, qui, qui résistent combien, là 20 ans 25 ans Allez, et puis euh, 30 ans, et en fait ils, ils partent en, à volo. Et là, le viticulteur, euh, c'est un viticulteur que j'ai rencontré euh, en formation taille à Gaillac, qui a 7-8 ans, et, euh, et, et il me dit mais comment je fais sur une vieille parcelle Je fais mais une vieille parcelle comme ça de Guillot tu peux rien faire. Il faut que tu remontes, il faut que tu, qu il faut que tu sortes du problème. Tu retires un fil plus haut. Et tu veux pas t'emmerder Bah non, c'est c'est vrai, c'est 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 pas la peine de t'emmerder. T'as qu'à faire un cordon. Tu remontes, tu tires deux baguettes. Et petit à petit, tu réinstalles un cordon. En fait, cette vigne, il voulait l'arracher. Et aujourd'hui, en fait, eh ben, il y a que une dizaine de pourcentages, euh, de, de, de des vignes qui, qui, étaient là prêtes à arracher, qui sont mortes. Et il a reconstitué des flux de sève à base de quelque chose de gros comme un crayon. Il a reconstruit des sèves de vigne qui remplissent parfaitement l'espace photosynthétique sur le rang. C'est fantastique. Et donc ça veut dire qu'en 7 ans, il a 7 couches de recouvrement propres en bon état de fonctionnement. Et ben, ça marche de mieux euh... en mieux finalement. Oui, ouais, parce que parce qu'en parce qu en plus, en plus, il est parti sur cette idée-là d'accepter un peu d'allongement. On voit là, les petites chandelles qui commencent à monter. Ça ne lui pose aucun problème en fait. Il a bien compris. Soit accepte que ces chandelles elles montent. Et pendant 15 ans, bah oui, ok, ça, continue, ça commence à monter. Et au bout de 15 ans, tu te poses la question mince, j'ai un peu moins de surface foliaire. Est-ce que je redescends mes chandelles Mais tout le monde sait qu'à partir du moment où on redescend les chandelles, c'est la fin du cordon. Quoi. Ça. Donc tu as le choix soit tu adaptes ton palissage au système et ta mécanisation, soit tu démates ton cordon et c'est la fin. Donc c'est la vraie problématique en fait, c est, c est, ces systèmes-là de, de, de pensée. On pourrait, euh, au lieu de rabaisser systématiquement, on pourrait accepter que tout le monde s'allonge. On aurait un truc hyper homogène avec des plantes en capacité de supporter cette fameuse. Tu ferais concurrence. comme à Ténérif. Tu les mettrais à plat. Je oh, j'irai pas faire, à faire comme à Ténérife. Il faut quand même qu'on garde notre identité. Je pense que on, ce qu'on peut faire, c'est quand même conserver nos tailles traditionnelles, s'amuser à en faire un peu comme à Ténérife. Mais, enfin, vous imaginez, il faut, il faut 50 ans pour boucher un hectare. Et, euh, le temps que ça s'allonge. On n'a pas le temps, on est trop pressé. Mon cher Conrad, on va planter plutôt à 10 000 pieds hectares et puis faire en sorte que la surface foliaire soit la plus rapidement euh, remplie. Donc euh, non, non, on peut conserver nos systèmes de taille, euh, mais par contre, ce qu'il faut faire évoluer, c'est notre regard et accepter euh, la base, la base du bois vivant et de l'allongement, construire de l'énergie et la répartir dans la plante. C'est tout, hein. et, et, et ça fonctionne hyper bien. Donc, si on posait un diagnostic ici, euh, au bout de combien de temps d'allongement, euh, le vigneron pourrait être embêté dans son travail réellement? Ben, en fait, euh, je pense que ça pourrait être infini parce que euh, c'est juste une histoire de c'est juste une histoire d'ouverture d'esprit. C'est le schéma qu'on a dit au début. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez votre cordon qui est trop haut, avec des chandelles qui montent trop haut, euh, deux, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous montez le palissage, mais dans ce cas-là, certaines fois la mécanisation devient inopérante, donc vous ne pouvez pas. Soit vous redescendez la plante et vous la coupez, et dans ce cas-là vous perdez toutes les réserves, vous faites des zones de nécrose qui sont rédhibitoires. Troisième solution. Ouvrons notre esprit, essayons de développer notre capacité de créativité. On prend le sarment, on le plie et on le remet sous forme d'une spirale et on le remet vers le bas. On ébourgeonne l'intégralité de la baguette, on laisse le deux bourgeons au bout du sarment, on est redescendu de 30 cm. Alors tout le monde va rigoler. C'est pas beau. Oui, la question, juste pour être tu feras honnête, c'est des vignes de finalement. Oui, mais est-ce que c'est fonctionnel La question, c'est est-ce que ma vigne continue à produire C'est ça, la, la seule question qui a à se poser. Si ma vigne continue à produire, sincèrement, c'est beau, c'est pas beau. Ça, c'est le siècle suivant qui décidera, hein parce que les modes euh, ça, ça va, ça vient. Moi, ce que je vois, c'est des vignes qui sont toutes différentes. Toutes biscornues dans tous les sens, et si je les regarde de près, moi je vois des plaies. Donc je vois pas quelque chose de beau dans la, la, les plantes là qui sont maintenues petites, tassées comme ça. Moi je vois des plantes qui sont mutilées en fait. Je vois pas de la mutilation. Si je vois une plante allongée qui fait des spirales comme ça, je vois une liane. Et pour moi, si je dois cultiver une liane et que je vois une liane, je vois quelque chose de beau. Mais c'est juste un parti pris. Mais oui, ben en fait, euh, c'est bon, j'ai terminé, Alain. Tu me mets la boucle là. Euh, tu parles, tu parles. On en non. est encore là, on n'est toujours pas fini. Je dis... Mais en fait, euh, la... non, mais c'est infini. C'est Ce infini, infini, mais c'est vrai qu'on aime, on aime avoir sur la bouteille marqué vieille vigne. Et c'est vrai que, et c'est vrai que si on veut des vieilles vignes, on a intérêt à se mettre, on a intérêt à se mettre à cette à cette affaire-là. Ah ben de toute façon, si, si enfin, je, je vous ferai. Enfin, c'est compliqué d'avoir quelque chose de petit quand c'est vieux c'est l'inverse de les humains en fait. une plante plus elle est vieille plus elle est grande donc là vous n'avez pas le choix si vous voulez dans vos vignes ou vous faites de la gériatrie avoir des vignes en bonne santé il faut qu'elles soient grandes c'est l'inverse de chez nous donc ça veut dire que bientôt on aura plein de vignes en tire-bouchon c'est-à-dire euh, enroulé sur elle-même x fois. Ah, tu ne crois pas si bien dire avec tire Bouchon, parce que d'ailleurs les Suisses, pour accepter cet allongement, ils ont inventé une taille, la taille valaisienne, sur laquelle ils tirent profit de la manière dont s'orientent les bourgeons sur la vigne. Hein. Euh, parce qu'en fait, tous les ans, le plan phyllotaxique, donc l'orientation des bourgeons change, et en fait, ils tirent profit de ce système-là pour monter en spirale. Ah oui, et donc, ils font des cordons qui montent en spirale. Et c'est fantastique, ça fonctionne hyper bien, d'ailleurs. D'ailleurs, je ferai, je ferai une petite conférence là-dessus, parce que, il n'y a pas longtemps, en discutant avec un, un viticulteur talentueux, et en prenant énormément de temps à regarder ensemble, on a réussi à comprendre comment tournent ces sarments et pourquoi ils tournent. Et en fait, ils tournent pas tous dans le même sens parce que ce qu'on voyait dans le vallée, un coup ça tourne dans un sens, un coup ça tourne dans l'autre, c'était extrêmement perturbant. Et on a fini par trouver comment ça tourne et euh, au-delà de ça, en fait, on a fini par comprendre que ça tourne forcément euh, avec une angulation qui est basée sur le nombre d'or. Et ça c'est dingue, mais c'était logique en fait. C'est une faculté d'adaptation pourquoi la vigne tourne pourquoi les, le plan phyllotaxique tourne ben Parce que si elle est sous l'arbre et qu'elle va toujours dans le même sens, elle a toutes les chances de louper l'arbre. Mmh. Alors que si tous les ans, elle change de sens et elle pivote, et qu'elle pivote dans un sens ou dans l'autre, elle va forcément tomber sur l'arbre. Et le nombre d'or, c'est le nombre d'adaptations suprêmes, en fait. C'est la, la divine proportion, cette divine proportion, c'est cette capacité-là à, 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 à ne pas louper la rencontre. C'est pas mal, ça. Hein Ouais, c'est pas, pas mal, ne pas louper la rencontre, Hervé, dans ces dans dans vignerons optimistes, puisque on en croise tous les jours, il en est quelques-uns dans la salle, dans des paysages prospères, Hervé. Oui, tout est lien, tout est rencontre, et ce que je trouve très beau, c'est que cette narration là, de, du stockage de, du soleil, de l'énergie solaire, dans, dans un bois que l'on veut de plus en plus long, de plus en plus volumineux, hein, pour justement apporter de la résilience, hein, et donc une sécurité, une, une vraie assurance sur, sur les aléas climatiques, sur le gel, sur les pathologies. Voilà. Toute cette sécurité qu'apporte cette mise en réserve, c'est ce qui va initier finalement le développement racinaire la nourriture du sol et le fait que notre sol devienne aussi de plus en plus vivant. Et, et finalement, toutes ces narrations agroécologiques se rejoignent, puisqu'elles ont pour point commun de faire entrer plus de soleil, plus de vie donc dans, dans, dans les écosystèmes, dans les plantes, dans les différents compartiments de ces écosystèmes. Et on arrive à un certain moment à ces paysages nourriciers hein, dans lesquels une trame euh, de vie, de forestière, de, 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 de ripisylve, va converger. Dans un vignoble, pour lui apporter tous les éléments dont il peut avoir besoin, et dans lesquels les, les vignes vont apporter tout ce qu'elles peuvent, mais pas à minima, le, le plus de ce qu'elles peuvent pour permettre justement au, au, à l'ensemble de bien, de bien se comporter et de bien vivre. Et aujourd'hui, mon métier, mon métier finalement, l'enjeu dans mon métier, c'est de croître dans, ce, dans ces liens-là, dans ces liens avec le soleil dans ces liens avec les plantes, dans ces liens avec le sol, dans ce liens avec ma vie, et finalement grandir dans tous ces liens, le seul, le seul risque que, que, qui puisse arriver au travers de tout ça, c'est de grandir en amour, de tomber amoureux de ce que l'on fait, de tomber amoureux de la vie, de tomber amoureux de ces merveilleux paysages que l'on commence à construire, et finalement de trouver que la vie est belle. Merci Hervé La Vie est belle. Conrad en un mot ou deux. Moi je dirais la, la belle vigne La belle vigne, bien ça évidemment. Nous, ça nous engage à une vraie passion du métier, du végétal, et on voit bien avec quel verve Marceau a exprimé un potentiel de solution extraordinaire. Et moi je reste toujours bluffé de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on met en relation les acteurs et les faiseurs. On a des choses extraordinaires qui arrivent et on a beaucoup, beaucoup d'exports pour la suite du vignoble. C'est-à-dire que finalement, pourquoi arracher des vignes si on pourrait les régénérer La belle vigne, grandeur nature, Marceau, grandeur nature dans, dans tous les sens du terme. Oui, oui, nature, nature, nature comme nature. Nature comme nature <laughs> Bah oui, c'est moi moi c'est ce, ce regard là global sur l'agroécologie qui me nourrit cette rencontre avec vous, c'est fantastique pour moi parce que ça, 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 ça valide mon regard en fait, mon axe. En fait, ça valide mon axe, le fait que votre axe corrobore avec le mien et c'est ce que je trouve fantastique dans ce dans cet indissociable triptyque est de l'agroécologie, quoi. Des sols couverts. Un, un environnement diversifié et protecteur avec cette agroécologie, ce bioclimatisme, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et puis, et puis une plante saine, c'est-à-dire le, 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 lien, la, la culture, le, le regard que l'on a sur le lien entre, entre ce que l'on produit et ce que, et ce que la nature nous offre, quoi. Et ça, c'est, ça, c'est fantastique. Moi, j'ai une idée. Euh, pour conclure, en fait, on, on va reprendre ton idée de l'allongement, puisque finalement, à force de bien allonger, ce sarment pour protéger la vigne, pour lui donner euh, un aspect centenaire peut-être voire plus, mais en fait, on va être obligé de recréer la spirale de la vie en, en faisant finalement progresser cette liane, qui nous montre un exemple de ce que l'on doit faire tous les jours. Ouais, on est bien <laughs> la spirale. On est toujours à, à Elne. On est toujours ensemble. On se retrouvera sur le terrain, dans les journées techniques, sur les formations, sur les différentes euh, formulations. On est toujours heureux d'être avec vous. On est toujours heureux de boire des canons. On est toujours heureux de sauver des vignerons. À la tienne, Hervé. À la tienne, Conrad. Santé, santé à l'amitié. À la vôtre. À, à la prospérité, à la, à la fertilité. Merci aux viticulteurs. Merci, Merci à, à Michael et à Céline pour leur fantastique. Euh, Absolument. Vin. Hein, merci d'être avec nous encore, euh, encore et toujours. Mmh. Profitons, on a cité la belle vigne, de, de, de rappeler la, la toute récente création d'une nouvelle structure, d'une nouvelle structure qui fédère, qui, qui ouvre encore un petit peu plus les portes. C'est Carbone Fertile, hein, Conrad, c'est Carbone Fertile, le Centre national d'agroécologie qui, qui, qui est parmi nous aujourd'hui, qui nous accueille et qui, qui permet ces euh, conférences, ces dialogues, ces rencontres euh, vers de terre, vers de terre production qu'on présente plus, mais 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 qu'on remercie une fois de plus d'avoir installé en, en un temps record ce, ce studio d'enregistrement. C'est important de cette transmission. Ces, si c'est ces le petit moment de la pub, moi je vais en profiter alors oui. parce que <laughs> eh ben oui. en fait, euh, euh, comme euh, j'ai énormément de succès euh, dans mes formations, j'ai dû aussi euh, former des gens autour de moi pour essayer de redivulguer. Euh, ce regard, ce savoir, avec cette vision aussi d'agroécologie, mais sur la taille. Et donc, euh, on a monté un, un groupement d'experts de, de, sur la taille qu'on appelle Architectes du vivant, où il y a euh, de plus en plus de, de formés, euh, de, de gens formés, qui vont euh, pouvoir parcourir la France entière et à, à vous transmettre cette compréhension de la plante et, et ses techniques de taille. Donc, euh, bah, je vous encourage à, à bien accueillir euh, les tailleurs qui se réclament de l'architecte du vivant. Absolument, absolument. Évidemment, on a besoin de, de ce transfert, on a besoin de cette énergie, de cette jeunesse, de cette fougue, de ce développement, de cette animation. Je crois que c'est important de l'animation sur le sur le territoire. Et, et, et si si la demande est forte, ça veut dire ça veut dire beaucoup de choses. Donc, une fois de plus, euh, buvons des canons, sauvons des vignerons, buvons des canons des canons. Je vais y arriver. Buvons des canons de l'agroécologie, puisqu'en buvant des canons de l'agroécologie. On va produire de la biodiversité, de l'eau, des sols, des microclimats, des paysages, de la productivité, de l'enthousiasme, de la vie et finalement cette envie de se retrouver autour de l'amour autour de l'amour et de la fécondité des sols qui nous est cher. Depuis Elne, nous vous saluons bien fort salut. et vous disons à bientôt salut, santé, prospérité salut et fertilité.